Les gens qui regardent la VOD. Au pire, tu. Ah oh, fuck, merde, la VOD de... Les gens mais non, mais pas je viens de la lancer, tais-toi. Bonjour, la VOD. Merde, ça fait 4 fois que je la. Merde, la VOD, merde. Merde, la VOD, ça fait 4 fois que je la lance. Bon, voilà, VOD, on joue. Je vais jouer à la manette du coup. Si on me dit que c'est mieux à la manette, je vais jouer à la manette. En tout cas, une partie du temps. Mais là, tout de suite, je vais créer mon personnage. Hop, 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 hop. Ensuite, la peau, on avait dit bleu. Évidemment. Cheveux, on avait un truc sur le teco, je crois. Oui, parce qu'on a relancé la partie. Oh, sinon, je mets ça. Oh non, pas des tresses. C'est un peu pour. Je suis pas fan de tresses. Je suis pas fan de tresses. Oh, ça, c'est bien, les petits cheveux qui vont devant. Nickel. Cheveux rouges. Voilà. Pantalon. Oui, on va laisser ça. Le t-shirt, je sais plus lequel j'ai pris, mais je vais en prendre un. Qui me semble bien. Qui va bien avec la peau bleue. Orange, c'était parfait. Tellement pipoute sans barbe. Tu devrais la mettre un peu rouge, les cheveux. Bah, ils sont rouges, les cheveux, là. Ah ouais. Ouais. Là, j'ai mis même la saturation à fond. Je peux mettre plus rouge encore, mais je crois que là, je suis au max. Tu veux pas que je mette ma moustache? Non, c'est pas ouf. Par contre, j'ai vu des belles boucles d'oreilles, et en fonction de l'angle, c'était pas mal. Ah, oui, d'accord. Dans accentuation. Accessoire. Pas accentuation. N'importe quoi. Quoi? Voilà, les petits cheveux comme ça, avec les petites boucles d'oreilles, qu'est-ce que t'en penses? Normalement, moi, je mets toujours une stache mou, hein, faut savoir. Hein. C'est pipou. Il y a des colliers, sinon, mais c'est pas... C'était 8. Voilà, je suis pipoute. Ouais. Ça ira bien. Accélération à 8. Ouais, mais à fond, mais à fond. Ce sont des accessoires. Hmm. C'est pas ce que je lis. T'es un dégénéré, c'est pour ça. Voilà. Oh là là, j'ai plus aucun charisme. Ok. Sans ma moustache, je suis un peu du père. Bon, on a trouvé de la paille. Du coup, je suis dans ma cabane. J'ai reçu 15 pailles et voilà, on commence. Bon, Sophie, ni chose préférée, le sub et non le holly. Ils ont refusé, écoutez. Écoutez, je serai corpo comment le jour où je serai partenaire, ok. Pour le moment, je peux vous dire que celui à la cerise, il est dégueulasse. Voilà. J'ai le droit, j'ai le droit. J'ai eu 15 pailles aussi. Ça pêche qui est mieux à la manette, pour le reste, je pense pas que ce soit plus simple. Franchement, en vrai, si, le gameplay manette a l'air d'être bien. Tu joues quoi, Royal? Je joue pas à la manette. De côté, c'est pourri un peu. De face, c'est très mignon par contre. La manette, ça le fait bien. Hein. Voilà, il faut savoir ça du coup. Donc, j'ai déjà joué à longtemps. Royal, non, mais il a regardé un peu des streams et tout. Et là, on teste apparemment la nouvelle ferme qui est sortie. La nouvelle. Comment elle s'appelle? C'est Prairie peut-être? Un truc comme ça? Le nouvel espace de ferme qui a été instauré lors de la mise à jour de la 1.6. Aucune idée. Ah bah t'as dit que... Bah je sais pas, t'as dit que t'avais sélectionné. Oui, c'est le nouveau truc, mais ah je... Oui. Il me semblait que j'avais lu un truc comme Prairie, mais je confonds peut-être. Et du coup, je sais plus du tout ce qu'on fait quand on commence, mais je pense qu'il faut qu'on aille peut-être déjà au village avant de commencer. Viens. À... Hein? Viens faire des bisous. Oh, mais on a des poules, mais comment ça se fait? Tu commences avec 2. Bah attends, on peut leur mettre du foin, je crois. Ouais, vas-y, mets ton foin. Silo est vide. Construisez un silo et coupez de l'herbe avec votre faux pour le remplir. Ah bah c'est ça. Oh punaise. On a déjà des animaux. Mais normalement, on les a pas tout de suite, les animaux. Oui, mais tu commences avec 7 fermes, tu commences avec 2 piou-piou. Ok, bon, ça va, c'est pas un immense avantage. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est cliquer dessus et au lieu qu'ils s'appellent pizza et ananas... faudrait les appeler... ils s'appellent vraiment pizza ananas. Hein, c'est... Pizza ananas. Faudrait les appeler... C'est des dégénérés. Pizza ananas. C'est quoi ça? On peut le vendre tout de suite. Changer de maison, d'accord. Et du coup, ananas a l'air très heureuse. Ananas, c'est mignon. Pizza, c'est moins mignon. Pizza a l'air très bonne, de très bonne humeur aujourd'hui. Bon, ça va, ils l'ont pas appelé pizza au poulet. Ça aurait été un petit peu sarcastique. Malvenu. Ouais, j'aurais pas aimé. On les appelle comment, les poules? Je demande au chat. Ouais, je demande au chat. Quand ils auront une idée, eh ben on dira.
Le bébé hawaïenne. Pizza à l'ananas hawaïenne. Mais en vrai, l'ananas, eh ben, c'est souvent mangé, à part en Occident, c'est plutôt mangé comme légume, je crois. Enfin, utilisé comme pour les plats salés, en vrai, je crois. Hein? Je crois. Ah bon? Ouais. En vrai, oui. Voilà. Je vous ai appris un truc. Bon, du coup, est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille au village, en vrai? Bah, allez, viens, dé. Parce qu'on coupe des trucs au hasard, mais... Ah, moi, j'en sais rien. Je connais pas les... Attends, ah oui, l'endurance, elle est là. Est-ce qu'on peut courir? Non, je crois pas. Non, quand je fais B, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il y a des petits morceaux d'herbe. Je crois que c'est bien de creuser quand on voit des trucs bouger dans la terre. Genre des petits vers. Ah ouais? Ouais. Il y a quelqu'un. Vas-y, va parler. Moi aussi, je vais parler à des gens. Tu es Glox, la nouvelle fermière, moi c'est Caroline. Je m'en fous! Mais pas exactement comme j'imaginais. Comme je l'avais imaginé. Ça veut dire ça. Mais c'est pas grave! Je m'appelle Jodie. C'est pire que tout de dire mais c'est pas grave. Tu ressens pas à ce que je pensais mais c'est pas grave. C'est terrible, non? Allez, ça ira. Appelez le bébé Nuggets. Oh non, déjà. Non. Oh. À peine commencé le jeu. Il y a déjà un anniversaire dimanche. Ok, c'est super. Où on va? C'est bon, on peut rentrer chez les gens. On a des quêtes là. Ah, c'est F. Ah, voilà, premier pas. Récolter un œuf de poule. Ok. Il va falloir qu'elle grandisse un peu, non? Et il faut saluer 28 personnes. On a du boulot. Viens, on va chez les gens, on va les saluer. On va pas remettre des coups de hache, je sais pas trop. Salut Hanté! Non mais c'est pas ici. Viens, on s'en va de chez les gens là. Bon, nous il faut qu'on se présente aux gens. Toi je t'ai parlé du coup. Ah non, ça c'est Penny, c'est bon. Toi t'es Maru. C'est toi qui viens d'arriver? Je m'appelle Maru. J'avais hâte de faire ta connaissance. Alors pourquoi vous êtes pas. Pourquoi t'es pas venu me voir direct alors si t'avais hâte de faire ma connaissance? Bonjour, bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler mamie si tu peux. Je t'appelais la vieille. Salut, c'est toi la nouvelle, n'est-ce pas? Je pense qu'on va très bien s'entendre. Je m'appelle Alex. Sacré Alex. Ah, y'a Pam. 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 Salut, je m'appelle Sam. Salut Sam. Il reste combien de gens à saluer? Oh, encore 18. Ça va être long. Quelqu'un là-bas. Sympa de faire ta connaissance. Salut. Là, je m'éloigne un peu trop du cœur du village, je crois. Oui, ça sert à pas grand-chose à aider là, je pense. Alors ça, c'est le centre communautaire. On ira plus tard. Tu t'es présenté à des gens? Oui. Je crois que c'est chacun qu'il faut qu'on se présente en plus. Hey Pierre, tu cherches des graines dans mon magasin? Mon magasin est l'endroit qu'il te faut. J'achèterai aussi des produits à un bon prix. Oui, bon, ça j'achèterai. C'est lui qui achète. Bah c'est le magasin, oui. Je t'achèterai aussi des produits à un bon prix. Attends, je regarde s'il n'y a pas un flipper. Attends, il n'y a pas un flipper. Non, il y a une bande d'arcade. Il y a deux, ouais. Bon, et 19h, on n'a rien fait de la journée. Putain, c'est comme notre journée aujourd'hui. Quoi qu'en plus, j'ai fait des trucs. C'est hyper que ça tient. Il y a un marché. Ah, il y a un supermarché, ouais. Un supermarket. Bon prix pour lui ou pour toi? Oui, c'est ça que je me disais. Je me disais, mais un bon prix. C'est moi qui vais en juger, quoi. Mais oui, les 28 gens, la première... Au début, c'est un peu chiant. C'est qui? C'est Maru? Non, c'est pas Maru, ça. Si, c'est Maru. Ouais, je me rappelais qu'il y avait une maison ici avec du monde.
Robin. Est-ce que tu as rencontré tout le monde dans le village? Bah non, je cherche des gens. Ah oui. Démétrius. Démétri. C'est déjà nuit. Démétrius. C'est un nom un peu de boss final, ça. Démétrius. Le terrifiant. Je en fait, non, c'est juste un daron, 17. Là. Salut, Booba. Qu'est-ce que tu dis? On a rencontré 17. On a rencontré 17? Moi, j'en ai rencontré au moins. Moi, j'en ai rencontré 13. Eh, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Mais c'est bon, même s'il fait nuit, on a jusqu'à... Bah, minuit, je crois. Je sais plus. Minuit ou 2h du mat, avant de s'évanouir. De fatigue comme des faibles. D'accord. En fait. Oui, oui. Ah oui, il faut vraiment... Oh, je vais ramasser aussi les trucs que je croise. Il faut vraiment rentrer avant de s'évanouir, sinon le lendemain, on est tout fatigué. En même temps, ça doit fatiguer de s'évanouir. Ah, mais oui, c'est ça. C'est bien la nuit, parce qu'on peut aller au pub. Et du coup, là, on rencontre des gens. Voilà, là, c'est parfait. Clint, bonjour Clint. Shane, bonjour Shane. Toi, je t'ai déjà parlé, c'est Pam. Juice. Amy, tu cherches quelque chose à faire ce soir? Passe donc au saloon. Let's go, let's go. C'est parti. Bon, je rentre pas ce soir. Hein? Let's go! Chapitre suivant. Il est quelle heure? Ça va? Il est pas trop tard? 3h à peu près. Non, en vrai. Il est 22h55 et nous sommes le 23. Dans le jeu, il est quelle heure? S'en supplie, la vraie heure du jeu. 23h. C'est marqué en haut à droite. Mais non, mais je suis en train de jouer. Ah, oui, marqué en haut à droite chez toi, donc. Ouais, bah j'étais concentré. Plus jamais. Là, je suis sur manette combien là. Combien de mots? Plus jamais. En combien de mots? De quoi? T'as dit quoi? Concentré. En combien de mots? Concentré. J'étais tellement pas concentré que j'étais... En combien de mots toujours? Du coup, je pensais qu'il était en rapport avec ta phrase d'avant, quoi. Fais ce que tu veux, moi je vais faire dodo. Je peux pas, je suis un petit cow-boy contre des gobelins. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Ah, c'est Red Dead 2 là. Voulu me faufiler. Oh, j'ai encore une vie. Ok, il est minuit 5. Ouais, elle dort. Écoute, il y en a qui bossent là. Je sais pas ce que c'est, ça me... Oh oui, explosion. Bon bah du coup, je raconte mon anecdote avec mon paquet de Mikado. Il t'est arrivé quoi? Oh, je passe au niveau suivant, Royal. Ça a l'air incroyable, tu vas mourir. Donc... Ah ouais, putain, il est déjà 1h50. Oh, de toute façon, foutu pour foutu. Je joue jusqu'au bout de l'année. Le paquet de Mikado est composé de... Premier jour dans les pommes, hein. C'est... Bah ouais, hein. Merci, Hanté. Merci beaucoup pour le cadre de la cam. T'as vu? Et maintenant, il y a les alertes aussi, Hanté. Je t'ai pas dit. Normalement, elles sont toutes là. Normalement. Let's go! Et bah franchement, ça valait le coup, je trouve. Un inventaire. Moi, je me suis évanouie. C'est quoi ces problèmes? Coucou.
coup, je viens de rentrer une excursion de pêche et de revenir à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi, Willy. C'est la pêche et ton domaine, je le dis. Ah, par contre, il est possible que j'ai pas encore trop géré le truc de superposer les alertes. C'est peut-être pour ça que parfois il y en a qui répondent pas. C'est un autre truc que je devrais gérer, que je devrais voir dans les conditions. J'ai de la chance que je sois tombée sur toi hier. Tu avais perdu connaissance. J'étais au pub. Franchement, perdre connaissance au pub, c'est pas non plus truc si improbable que ça. Je sais pas combien ils ont... Attends. Tu avais perdu connaissance et quelqu'un fouillait dans tes poches. Je ne sais pas combien ils t'ont pris. Ils ont fui dès que je me suis rapprochée. Fais attention, Linus. C'est qui, Linus? OMG, je me suis fait sauver par navigateur. T'ont pris 50 balles. Ils m'ont pris 50 balles. Non, c'est de toute chose. Par un... Non, c'est pas un navigateur, c'est quoi, Linux? C'est un... Un truc. Je sais pas comment on appelle ça. Mais non, mais je suis sûre que c'était pour la machine, les 50 balles en vrai. Non. Viens de faire une excursion pêche. Bon, je vais aller pêcher, moi. Tu sais quoi? C'est bon. Ça m'a saoulé, je me barre. En vrai, on va aller nourrir les poules avant. Tu plantes des graines? Non, mais je m'en suis rendu compte, ça va. Je m'en suis rendu compte. Oui, bah ouais, ouais, oui, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Jour 2, boss. L'arcade est gratos. Ah, donc ils m'ont bien pris 50. L'arcade est gratos? Ouf. Ouais, ouais, ils t'ont pris 50 balles. Enfin, ils t'ont pris. On saura jamais c'est quoi l'anecdote. C'est vrai, il l'a toujours pas dite. Bah oui. Ouais, bah ouais, l'anecdote de rien. Fou. Bon, bref. C'était incroyable. Incroyable. Le titre de l'anecdote, c'est « Je me suis fait bully par un paquet de Mikado ». Mais comment? Bah justement. Comment? C'était le jour 1, là. Oui, bah oui, j'étais en train de faire... Ça va, j'avais une borne d'arcade. Et ouais, jour 1... une anecdote, un sup, là. Elle tombe... Ouais, je vais peut-être pas la raconter, du coup. Tombe dans les pommes, jour 1. Direction la plage. Bien. Avant 17h. Récolter l'œuf de poule, ça c'est quand on pourra. Ok, je me suis présenté qu'à 17 personnes. Bah ouais, mais t'as fait les poules ou je le fais? J'ai nourri les poules. Mais je crois que tu peux les tu sortir aussi. Oui, bah ce qui serait bien, c'est de fermer en fait quand tu. Parce que sinon. Ah oui, bah vas-y, ferme et ouvre. Enfin, ouais, ouvre voilà, le... voilà, 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 ouais, ouais, hein, ouais. Hein. Comment ça s'est passé? Ah, mais non. On va à la plage. Oh, une enfant. Salut. Salut. Demain il va pleuvoir. Bah c'est bien de planter, ce serait bien de planter les graines aujourd'hui. T'as pas des graines à planter? Bah. Non mais je sais pas, t'es une vraie question. Vas-y, saoule. Fais ton boulot. Ah merde, ça marche plus, je peux plus cacher ma cam comme je veux. Faudrait que je gère ça aussi. Attendez. Ça va marcher. Attendez. Il me parle, lui. Ouais, mais je voilà, pendant qu'il me parle, moi, j'aime bien cacher ma cam. Je fais un truc, j'arrive. C'est celle-là. C'est celle-là. Gamecam. C'est bon. Ça s'appelle comment ma cam maintenant? Ça s'appelle comme d'hab. Non. Une capture, ouais. Ceux là, c'est des connards et je joue pas avec eux. Salut, Kat. Merci beaucoup pour le raid. J'avais pas vu que t'étais en live ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. On est sur du Stardew, tu faisais quoi tu? Attends, je... Est-ce que ça marche? Ouah, c'est bon, c'est le futur. Attendez, j'étais en train de faire mon... Je voulais faire du doublage. Merci beaucoup. Ah oui, il y a toujours pas la voix qui vous dit d'aller voir les personnes fantastiques, mais je remettrai bientôt une voix, je pense. Merci beaucoup, beaucoup. Tu faisais quoi, mademoiselle? Je pensais que j'ai oui. Il a cette voix. Il a cette voix. Il a cette voix. J'ai entendu dire qu'il y avait du sang neuf dans le village. J'ai envie de faire ta connaissance. C'est bizarre de dire ça comme ça, monsieur. Ah, j'essaie de me détendre un peu après avoir passé un mois en mer. C'était assez long le voyage. J'ai vendu beaucoup de bons poissons. Ok. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Et pêcher avec quoi jusqu'à présent? Je veux que tu prennes ma vieille canne à pêche.
C'est important pour moi de vider mes poches. Et puis peut-être que tu achèteras quelque chose dans mon magasin de temps en temps. Non mais c'est bon là, je suis une poubelle et en même temps je dois lui acheter des trucs. Dun, 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 dun. Vous avez reçu canapèche en bambou. Trop de réverb, je crois, trop de réverb. Ok. Ah non, c'est pas fini, il parle encore. Il y a de beaucoup de pêche ici dans la vallée. Toutes sortes de poissons à attraper. Oui, bah y a de l'eau quoi, j'ai vu hein. Ouais, ma boutique est ouverte, passe donc me voir un de ces jours si t'as besoin de matériel de pêche. Ouais, c'est bon, j'ai compris la subtilité, viens faire ta pub sur mon live pendant que t'y es. J'achèterai aussi tous les poissons que tu attrapes. Si ça sent, ça se vend. Bert. Excusez mon vieux grand-père. Du coup, salut! Salut, Sick Boy! Attrape mon vieux bâton! Barbara à la campagne! En parlant de Barbara, pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, il y aura la rediffusion du JDR, qui était lundi, qu'on a fait lundi. Demain sur ma chaîne, elle est déjà disponible sur la chaîne de la MJ, à savoir Linou Major Zero, elle était déjà disponible sur sa chaîne YouTube, je l'avais partagée plusieurs fois dans le chat. Mais voilà, demain, il y aura sur ma chaîne, comme ça vous, j'y aurai accès assez facilement. Mais je pense que ceux qui voulaient l'avoir ont déjà pu l'avoir chez Linou. Voilà! Let's go! Oui, j'ai toujours les commandes MJ. Merci beaucoup, Kat, c'est très gentil en tout cas. Bon, bah je vais pouvoir pêcher maintenant! Du coup, plus de musique. Alors, je mets la musique de Stardew, de la playlist de Stardew. Ok, on va pêcher hein. Il est quelle heure? Il est 16h! Putain, la conversation, elle a duré 6h! C'était... C'est vraiment... Ça vaut vraiment pas le coup. Ah, mais vous voyez pas. Attendez, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, je sais plus comment on pêche, mais je sais qu'il fallait un peu spammer, mais pas trop, mais un peu. Allons pêcher, oui. Bon, c'était pas ça. Je vais trouver. Je me rappelle plus. Oh, je suis à la place. Oui, je me rappelle plus. Je joue à la manette parce qu'on m'a dit que c'était mieux, mais je me rappelle plus du coup l'interaction, parce que j'ai joué il y a plusieurs années. L'interaction à la manette. T'as mis de la musique? Ouais, on l'entend pas? Ah, c'est vrai qu'elle est super basse. Mais c'est le son du jeu qui est fort aussi. Bon, ça doit être X alors. T'appuies quand il y a le point d'exclamation. Mais t'as voilà. Pas de malus toi d'avoir dormi dehors à part qu'on si est j'ai eu un... En fait j'avais pas toute mon endu mais c'était léger. Je pense que c'est si ça arrive plusieurs jours de suite. Ah, c'est plus vilain. Ouais, c'est ça. On appuie sur X, par exemple, la manette, ou clic gauche, si c'est à la souris. Et après, il faut faire en sorte que le petit carré soit au niveau du poisson, mais du coup, il faut un peu spammer, un peu rester appuyé pour équilibrer. Ça a l'air effectivement un peu plus facile, entre guillemets, à la manette. Bon, c'est pas compliqué, c'est juste un peu chiant. Mais ça a l'air moins chiant à la manette qu'à la souris. À la souris, le truc part très vite dans tous les sens quand tu restes appuyé. Là, la manette, ça a l'air d'être plus soft. J'ai vu des gens dire qu'ils utilisaient le bouton C du clavier au lieu de la souris. Ah ouais? Moi j'utilisais la souris moi. C'est ça que j'arrivais pas. Et ben du coup je vais tester au bouton C du clavier alors. On va tester. Expérimentons, nous sommes des aventuriers du gaming. Est-ce que ça marche si je fais C? Bon, on va tester. Oh, si ça marche! Oh! Ah, ouais, par rapport au coup de souris là que je viens de tester. Ah, oui, non, mais en fait, faut vraiment pêcher avec. D'accord, bah voilà, ça marche au clavier, ça marche avec la touche C. Effectivement, comme ça on teste. J'ai un harangue!
C'est en fonction de ce que tu portes. Merci, comme Kat. Outil. La touche C l'utilise. Genre si tu es avec l'âge, tu fais un coup de C et boum, ça fait c'est comme ton clic souris. C'est pas une touche instinctive, je trouve. Donc je teste que si je peux m'accroupir dans un jeu, je vais tester C, bon. C'est juste ça. T'appuies pas sur C toi tous les jours. Ah bon. J'aurais pu dire un truc avec le cul, mais je dirais pas. Voilà. Couille. C'est ça. Couille. J'ai pas vu ta réponse si tu m'as dit bien, putain, c'est fou. Oui. Tu m'as peut-être dit ce que tu faisais ce soir, j'ai peut-être pas vu, je suis désolée. Peut-être que tu faisais du Stardew d'ailleurs. J'en sais rien du tout. Baldur's Gate est un peu de React The Island. J'aime regarder The Island. Baldur's Gate, tu es dans la... Ça y est, tu t'es lancé dans la tourmente Baldur's Gate. Dans l'interminable jeu. Bon, qui a l'air trop cool, hein. Moi, je suis pas très fan du tour par tour, mais sinon, au niveau narratif, ça a l'air d'être tellement poussé, tellement fifou. Mmh. Que un de ces quatre, peut-être. Peut-être pas en live. Mais trop bien, hein. Bah, raison de plus pour passer voir 4 qui joue en plus à Baldur's Gate. Tu fais du réac. Comme on fait parfois un petit peu aussi. Enfin, parfois, les mercredis. Sur des trucs un peu pire que la télé-réalité encore. Franchement. C'est une autre époque. Une autre époque, ouais. Ce sont des réacts des séries AB Prod. Ce sont les influenceurs d'une autre époque. Déjà que le terme influenceur est cursed. Mais alors là... Hop là, c'est bon, je fais dodo. Hey, je dors pour la première fois dans mon lit. On a rien vendu. Ah si, t'as vendu. Oui. Moi, j'ai des trucs à vendre. Vrai. Oui, non, mais... Ah voilà, quoi. Mais t'es lancé dans The Witcher 3, on m'a offert Baldur's Gate 3 la semaine dernière. Ah oui, d'accord. Je suis sur les deux pires jeux niveau temps. C'est vrai que là, punaise. Ça va être dur. Moi, j'ai beaucoup de mal à... Un focus sur plusieurs jeux, en plus avec une narration très présente. Ça va, ça te plaît pour le moment les deux? J'ai joué qu'une vingtaine d'heures à The Witcher, j'ai essayé plusieurs fois mais j'ai jamais plus accroché que ça. Je peux vendre les algues peut-être? Je peux vendre les huîtres? Mais je devrais peut-être pas vendre, peut-être qu'il faudrait déjà aller à la maison communale. Non mais il faut que je me présente aux gens. Attends, je vais finir mais ça m'énerve là. Présentation. Il manque encore... Putain, il manque encore quasiment 10 personnes, là. Il y a une map où on peut voir les gens. On sait rien. Non, on voit que nous. Ah, ok, Kat, ok. Ah mais quand même hein, c'est pas des si petites sessions du coup. Dire que tu vas te faire des petites sessions en rentrant du taf, pourquoi pas. Mais t'es sur des jeux quand même, où c'est pas tu vas jouer 15 minutes quoi. Tu vas pas te faire une petite session d'une demi-heure en disant allez je fais une petite game puis j'arrête. On est sur Baldur's Gate 3 et The Witcher 3. C'est... La petite session c'est 6 heures. Petite session. Petite session. Je vais déjà parler, ça doit être Chain. Je vais aller dans les maisons un peu pour me présenter aux gens. En plus, je vais y aller en étant complètement imbibé de flotte vu qu'il pleut. Voilà. La plage, c'est en dessous de chez nous. On peut y accéder, je crois, depuis en dessous de chez nous. Mais je suis plus sûre, je crois que si tu regardes sur la map, tu peux voir. Des jeux où une quête dure 3 heures. Ouais, c'est ça. On va essayer de limiter, ouais. Ah, c'est ce qu'il faut avec ces jeux, c'est bon, essayer d'être raisonnable, sachant que tu bosses le lendemain, même si la moindre action peut durer assez longtemps, ouais.
J'aurais pu le vendre mes poissons à lui, mais je l'ai pas fait. Ouais, toujours pas de musique. Ah oui, t'avais vu le supermarché parce que je suis pas allée vers la droite de la map. Toi, t'avais vu un supermarché, toi. Supermarket. Superstore. Ah oui, il y a le musée ici, je me rappelle. Voilà, le gars du musée. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas, il y a... C'est un lambeau, mais ça a toujours du charme. Ah, attention quand on parle des gens, quand même. Alors. Là-haut, je crois que c'est là-haut le... Ah non, il y a le forgeron. Ah bah, le forgeron. Bah, je me suis déjà présenté, il était à la taverne. Donc on s'en fout. Ah voilà, supermarché. Et je suis pas allée aussi au petit commerce. Chez Jojamart. Maurice. Il s'appelle Maurice. Non, je voulais te parler à toi, madame. Oh. Voilà. Vous voyez là, tous ceux qui ont joué à Supermarket Simulator, vous devenez comme elle après. Vous voulez être comme ça? Arrêtez de jouer à ce jeu de fou. Désolée, j'ai toujours pas compris ce que les gens trouvaient au jeu. Et là-haut, y a rien. Je veux pas devenir comme elle, ce supermarché, il craint. Bah, c'est l'avenir. Des supermarchés. Ça craint. Ça craint. Y a pas un chien dans son marché, c'est vrai. C'est vrai que par contre, il paraît vraiment immense pour zéro client, quoi. C'est un peu mitigé comme tout système économique. Fermé le mercredi, bah super. Tu m'étonnes qu'il y a un supermarché, là. Et là, il y a personne. Fermé le mercredi. Mais c'est pas un jour où on ferme, ça. Du coup, ici, il y a personne. Mais en plus, il pleut. Est-ce que les jours de pluie, les gens font autre chose? À part conduire mal. Il est où le chien? Et plus tard. Pas tout de suite, tout de suite. Il me semble. Il me semble que c'est un genre un jour où tu recueilles l'animal, genre il arrive à la maison ou quelqu'un te l'offre, je sais plus. Un truc comme ça. Ah, je trouve un gland. Eh ben. Tu veux mon gland? Qu'est-ce que t'as fait de ton gland? Qu'est-ce que t'as fait de ton gland? Bon alors. Oh. N'importe quoi. Oh. Je lui ai parlé à elle. Oui, je crois. Moi, on m'a proposé un chat. J'ai pas envie d'un chien. J'ai pas envie d'un chien, team chien. J'ai pas compris ta phrase, du coup. T'as pas parlé au petit vieux dans la ferme. Mais tu choisis ça, par contre, tenté. Avant de lancer la game. Tu veux un chien ou un chat, et tu peux même choisir la tronche de ton chien ou de ton chat. Il est où, le petit vieux? J'ai pas vu le petit vieux. Comment on gagne des thunes sans client? C'est vrai, c'est vrai. Bah, en même temps, vu que l'autre supermarché est fermé le mercredi, enfin le mini marché, juste devant la femme. C'est qui la femme? Là dedans? Il y avait un monsieur? Ouais. Oh. Ah si, je lui ai déjà parlé. C'est des Whis. Il me manque des gens. Je suis à combien, là? Pour récolter un œuf de poule. 28. 20 sur 28. Faut les traquer de fou.
Attends, mais on. Non, je vais devoir avoir les quêtes en commun. Est-ce que là, ça t'a validé ta quête, par exemple? Ah non, non, du tout. Ça m'a rien validé du tout. Bah viens alors, viens récolter un œuf du coup. Mais il faut que je me présente aux gens, et vu qu'à partir de 5h de l'après-midi, ils sont plus là. Attendez, faut que je vais regarder la map, plutôt que de faire des allers-retours là. Mais c'est trop chiant. Elle est dans les bâtiments. Bah en fait, je suis allée dans les maisons que je pouvais, qui étaient ouvertes, mais mais selon les jours, les heures, ben c'est chiant, c'est galère. Par exemple, il y a absolument personne. Je te connais pas. Et toi? Jody, oui je connais. Bon le gamin je connaissais pas, ça fait un de plus. Je vais aller voir à la taverne. Comment on sait si on les a déjà rencontrés ou pas? On leur parle et s'ils te disent pas bonjour je m'appelle machin, c'est que tu les as déjà rencontré. Elle marche pas? Est-ce qu'à un moment elle marchera? Je t'ai parlé à toi? Ouais. Bon, il manque combien de personnes? Il manque 5. Déjà, je sais qu'il y a un vieux. Une j'avais déjà rencontré. Il y a un vieux qui fouille dans les poubelles, je me rappelle. Et elle passe trop vite la journée, c'est pas possible. Ouais. Ouais, ça passe hyper vite. C'est pour ça que je trouve que le jeu est chaud à faire seul. Pour cette raison essentielle. Bon. C'est que les journées sont tellement courtes que si t'es solo. Mais t'as intérêt à très bien connaître pour bien t'organiser. Bon. Bah, il manque encore quelques personnes. Oh, j'ai entendu un bruit. Genre un ventre qui dirait brum. Ah oui, voilà. Qui dirait quoi? Qui dirait brum. Ah, c'est eux, j'ai pas encore rencontré. Lui non plus. En plus, il est célibataire. Ça non plus. Ah, j'ai plein de gens que j'ai pas rencontré encore. Bon, je vends tout pour le moment. Mince, j'ai fait un trou dans le sol. Désolé. C'est devant ta maison. Sélectionne pas cet outil. Il était déjà sélectionné. J'y suis pour R. Enfin. Tu crois que je l'aurais fait volontairement? Bah non. J'ai l'impression hein. Que t'as tout niqué, ouais. T'as vendu quoi? De la pêche, de la cueillette. Et des algues. Ouais. Bisous et Freeman, bon dodo. Il a marqué son territoire devant chez Royal. Donc ça y est, Lux was here. Ah oui, faut que j'aille un œuf. Ouais. Voilà, j'ai ouvert l'enclos des poules. Très beau noyau, Lux. Merci.
Ils ont pas à manger les poules. Mais il y a dans le coffre, Soyez j'ai mis de la bouffe pour les poules. Soyez slibo. Tout à fait. Je vais où ? Je fais n'importe quoi. C'est là que je veux. Allez. Je donne à manger aux poules. Et caresse-les. Oh, on peut les caresser ? Ah oui ! Oh, les bébés. Voilà. Bah le truc c'est qu'il faudra qu'on trouve quoi leur donner à manger quand on aura plus de foin. Bon après ça s'achète au pire à la ferme qui est en bas de chez nous. Ouais, normalement si t'as ramassé un œuf, t'as une quête suivante. Ah, j'ai pas fait gaffe encore, j'ai pas eu le temps. Nourrir les animaux, construire un silo. Ah oui d'accord. Construire un silo, vous pourrez commencer à récolter votre propre herbe avec une faux. Premier pas. Oh oui, j'ai eu 100 balles. On va rencontrer des gens ? Faut caresser tous les animaux pour qu'ils t'aiment. Y aller. Moi, de toute façon, ils m'aiment déjà. Sans doute. 100 balles, il manque le Mars. 100 balles et un Mars. L'expression casse tellement... est tellement vieille. Mais j'avoue, ça me fait rire. Je dois faire une blague à mon père, j'aurais besoin de Joja Cola. Gardez ça pour vous, Abigail. 15 PO à la livraison, Abigail sera contente. Allez, vas-y, j'accepte. J'accepte une quête, faut que j'achète du cola. Apparemment. Ça, je t'ai déjà parlé. J'en ai vu quelque part. Bah, je crois que c'est au supermarché, je pense. Là, ouais. C'est des graines, là. Ils vendent pas de coca, l'autre. Putain de supermarché de hippie. Oh, il y a une... Une ça, j'avais pas vu. Une caravane, il y a peut-être quelqu'un que je connais. Ah non, c'est Pam dedans. Je connais Pam. Pam. Bon, bah je vais acheter ça au supermarché. Peut-être qu'il y aura des gens au supermarché. Bon, il est toujours vide. Soit un bâtiment de la ferme. Bah c'est le silo, ce sera un bâtiment, non ? Grand ? Ouais. Boutique ? Grand coffre aux recettes, trop cher. 75 balles le coca ! Et nous qui... Et nous on se plaignait. Moi je l'ai pêché. Le coca ? Ouais. Faut comprendre que pour moi c'est pas très instinctif de faire un lien entre ces deux phrases. Elle est où Abigail ? Elle est où Abigail ? Attendez. C'est qui déjà ? Mais Tu l'as rencontré au moins ? Construire des bâtiments de la ferme, genre ? Je l'ai même pas rencontré en fait Abigail, ça doit être elle ou elle. Mais merde, c'est qui ces connards ? J'ai acheté un coca à 75 euros. Je me suis fait tellement du bax là. La c'est qui Abigail ? Lapidation, comment ? Oh là, il y a des vieux. Bonjour vieux. Oh, c'est Georges. Bonjour. Je vais faire des cookies. Bah c'est bien mamie. Mamie, elle va faire des cookies. Toi, je te connais pas, toi. Oh, Elliot. Nouvelle fermière que nous attendions. C'est clair. Je vis dans ma petite cabane. T'as pas trop un look à être dans une petite cabane, mec. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Moi, plus. Penny. Royal, j'ai un coca à 75 euros. Écoute, tu fais ce que tu veux avec ton coca, quoi. Mais non, mais Abigail, c'est qui ? Je ne connais pas ce jeu. Comment veux-tu que je t'aide ? Fais un effort. Roule torrent de l'inutilité. La blonde, c'est Bailey.
J'ai vu ses ailes, mais je pouvais pas lui parler. Ok. Oh, c'est qui ça? C'est Caro. Ah, ils te disent pas où trouver Abigail, ils sont un sup. J'ai accepté une mission, ça me coûte 75 euros. Oh, c'est peut-être elle. Non, c'est Jody. Alors qu'on n'est pas là. On est samedi, mais bon. Ah ouais. Hello Abigail, putain, j'ai ton coca. Ah, elle voulait faire une blague à son père. Tu vas en gagner combien? Mais je crois que je vais gagner 75 euros. En vrai, c'est pour qu'elle me rembourse mon coca. Mais du coup, j'ai fait. C'est vrai que j'ai fait tout ça pour rien gagner à la fin. Pour ça. 75 PO à la livraison. Putain! On va faire une blague à mon père. C'est qui ton père? C'est ceux qui sont tout là-haut peut-être, non? Non, ceux qui sont tout là-haut c'est Maru et je sais plus qui. Représentation des habitants, t'es à combien? Mmh. 25. Moi aussi. Nickel. J'étais Est-ce que t'as quelqu'un qui s'appelle Abigail dans tes gens? Non, je pense pas, on doit avoir les mêmes. Bonsoir, Dio. Abby, c'est la fille de Pierre. La fille de Pierre? Ah, Pierre! Attends, Pierre! J'étais en mode la femme de Pierre. Genre en mode la pierre, le matériau. Ouais, bah ouais. Et Pierre, elle habite où? J'ai une certaine Abigail là devant moi. C'est vrai? Ouais. Elle est où? Dans le magasin et elle se barre dans un endroit où tu pourras pas aller dans 4 secondes si je lui parle pas, c'est trop tard. Tu peux plus, elle est dans sa chambre. Oh la pute! Elle est en haut là avec les cheveux. Non, c'est bon, elle est là. Non, c'est pas elle. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Ça doit être... Oh putain! Reviens là, Abby! 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 Bibi. Te stalker, ma vieille! Aïe, je sens que ça. Je sais pas si on a une ferme ou un camp de vacances, mais je. Avec moi, c'est toujours les vacances! Ouais. Abby! Abby! Tu fais rien devant ton meuble, je te vois! Tout coca. La porte est ouverte en plus, c'est un sup. Vuller, elle va potentiellement jamais sortir de sa chambre. Non, tu ris. Ah bah non, vraiment, potentiellement jamais sortir. Laisse-la tranquille, non mais c'est. Oh. Ah, c'est dur. Putain, je suis saoulé. En plus, ton magasin, il est fermé. Ah ouais, là, il est fermé en plus. Là, je suis dedans, mais... Non, il est pas encore fermé. Le mec, il dit, c'est quand qu'elle se barre. Oh merde, il a fermé. Ah non, c'est bon. Abby! Ah, il ferme à 17h. Le remake de Shining. Moi, je peux re-rentrer dans chez Pierre. En stalkant devant sa porte en gueulant toutes les 10 secondes qu'elle va sortir. Qu'est-ce que t'en sais? Donc on n'a pas testé. On peut pas dire ça marche pas. Ouais. Moi j'expérimente. Bon allez dodo. C'est chiant. Je peux aller dans ta chambre. Attends, on va couper. J'ai encore de l'énergie. Je vais couper 2-3.
On a un silo. Bah, je m'y attelle en fait. Enfin, moi je joue au jeu. Désolé, hein, excusez-moi. J'ai fermé le truc des poules. C'est il faut. T'as une télé qui est mise n'importe comment. Non, justement, tout est optimisé. Comme ça, tu regardes la météo, c'est ça, dès que tu te lèves. Tout est optimisé. Ne critique pas l'installation de chez moi. Tous les meubles sont poussés dans les coins, il n'y a rien qui me gêne. Donc, s'il te plaît. La télé, elle est n'importe où. Elle est très bien placée. Allez, va dodo, là. Parfait. Là, j'arrive. Non, tu peux pas. Ah si, on peut. Oh bah ça va. Coucou. Coucou Maglobine, comment vas-tu? Je vais voir Abby. On a du courrier. À nos chers clients du marché Joja, les membres de notre écrit. Ah non, je vais faire un petit préparé. Les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain provoqué par notre opération de forage près du lac de montagne. Je tiens à vous rappeler que notre opération de forage est tout à fait légale suivant l'amendement de Jojaco L61091. La gestion responsable de l'environnement est notre priorité. Nous sommes désolés du désagrément que cela ait pu vous occasionner. Mais oui, tu devais ! Coca à 75 euros ! Il est au chaud dans mes poches depuis 2 jours. Je l'ai toujours la mission. Tu veux arroser les plantes ou... Ah non, je vais voir Abby, moi. Mais parce qu'il faut que je rende son coca. C'est une... 75 euros. Pourquoi c'est moi qui... Putain, il ouvre qu'à 9h. Je vais pêcher. Ouais, je pêche, moi. Ça te va? Ai-je le choix? T'as le droit de dire oui, ça me va ou parfaitement. Si tu pêches un coca, j'explose de rire. Putain, c'est tellement probable. Moi, moins déjà, mais ouais. Je suppose que tu t'es pas occupé des poules. Non. Non, mais Abby, elle m'a saoulé. Alors on va dire que toi tu te promènes et moi je fais le jeu, c'est ça? Hey, je pêche, t'as dit la pêche, je m'en occupe. Hop là, j'ai eu un achigan à petite bouche. Toi t'as eu quoi pendant ce temps? Hey, il est avec une étoile dorée. C'est dur. Ok, il est 9h. Abby. Ah, elle sort. Peux elle sort. Oh putain, toi tranquille. J'ai ta merde là! Tiens. Parfait, voici! Bah, tu m'étonnes, 75 euros, putain! Tu t'en rends plus jamais service, toi. Ça m'a coûté 75 euros et j'ai gagné 75 euros pour la quête. Alors qu'elle m'a coûté 75 euros! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Bah, rien en fait, j'ai juste été dans la. C'est toi qui as débloqué ça en allant voir Abby à mon avis. Bah non, moi je te vois toi y aller. Ah oui, mais moi j'ai été juste dans la ville, ça fait ça. Ah mais justement, c'est quand tu vas dans la ville, je crois. Parce que t'es le perso principal. Quelle horreur. Les centres communautaires de Pédicoville, ou plutôt ce qu'il en reste. Non, il a une voix plus aiguë, ouais, comme ça. La fierté et la joie de cette ville. C'est toujours très animé ici. Regardez-moi ça, c'est honteux. Dernier temps, les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télévision que de faire partie de la communauté. C'est marrant de dire ça dans un jeu vidéo. Écoutez-moi, il y a un vieux gâteux. Ça va. Il est tellement gâteux, le gars. Je pense que les jeunes passent leur temps devant la télé. Enfin, bref, quoi.
que la corporation m'a harcelé pour vendre le terrain afin qu'il puisse se transformer en entrepôt. Mais Corville a besoin d'argent. Cependant, n'arrive pas à le vendre. Les vieux comme moi s'attachent aux reliques du passé. Enfin bref. Eh punaise, Albatros aurait pu faire, on est à Pelicanville. Si quelqu'un d'autre devient membre chez Joe Jaco, je le vendrai. J'ai pas compris, j'ai mal lu, je crois. Allons voir à l'intérieur. Allons voir à l'intérieur. Moi aussi, je veux venir avec vous, là. Vous faites le jeu sans moi, avec le vieux. Il a un nouveau mate royal, c'est un vieux. Qu'est-ce que c'est ? Vincent et Jas ont dû venir jouer ici. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. Une petite boule verte ! Ouais. Quel problème ? Vous êtes malade ? T'es un grand malade ! Je lui achète pas des coca à 75 pesetas. Eh, c'est pas ma faute, je me suis fait arnaquer par le monde. Avez-vous vu quelque chose? Je serais pas surpris, cet endroit était infesté de rats. T'es mal la gueule du rat. Oh, il a tout peur, regardez. Il flippait. M'inquiétez, Royal. Vous êtes bizarre. C'est très bizarre, monsieur. Écoutez, j'ai rien dit pour votre pot vert. J'ai rien dit pour le fait que vous me parliez à tous les habitants de la ville et que vous rentriez chez eux, mais là, au bout d'un moment, j'ai besoin d'un bon repas. En plus, j'ai dit la peau verte, c'est la peau bleue. J'ai réussi à me tromper de couleur. C'est parce que lui, il est vert, du coup, bref. Laissez cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pourrez essayer d'attraper les rats si vous en avez le temps. Oui, bah, on a que ça à foutre. Bah, super. Venez, venez, nouveau fermier de la ville. Vous allez dératiser la mairie, hein. En tant que sbire là. Vous allez bien nous faire ça? Bah oui. Puis gratos en plus. Étrange. Je pourrais revenir plus tard pour explorer. Étrange. En tant que gueux. Moi aussi je vais aller au centre communautaire. Il a dit que la mine était dégagée, le truc de la mine. Ah bah on va pouvoir y aller. Et c'est ça qu'ils ont dit dans le C'est dans la le grotte, mail. C'est ça, t'es dans la grotte là. Ouais. Mais c'est juste en haut à droite de ça là. Regardez, lui il fait le jeu sans moi. Non mais tu peux venir, non mais... Attendez, il fait trop des quêtes. Vraiment le vieux ça dégoûte. Ah tu pourras en avoir deux. T'existes. It's dangerous to go alone. Oui c'est vraiment ça oui. Moi aussi I want to go with you. Mais non mais il est trop tard, on peut pas y aller maintenant. Viens. Non il est super tard, il est 16h. Et alors? Et alors moi j'ai pas d'épée. Bah il t'en donne en fait le gars. Et alors c'est où? Je sais pas où c'est Royal. On continue après la maison. En haut? En haut à droite? De là où on t'es. Est plus haut en haut de la maison. Ouais, en haut à droite. Là tu montes. Et tu montes tout le temps. Ah oui, mais... le vieux. Non. Voilà, c'est lui que je voulais voir. T'as pas besoin d'aller à gauche, j'ai dit en haut à droite. Oui, bah... Ah bah c'est là, non? En haut à droite. Oui, non mais j'allais voir le monsieur. Mais de toute façon là je peux pas aller plus à droite, donc je suis obligé de redescendre. Il est 7h. Sors game bag. Attendez, il y a un peu de réverb. Regardez juste dans cet endroit, dans cet ancien puits de mine. Ça a l'air abandonné depuis des décennies. Du bon minerai là-dedans. Mais un endroit comme ça, plongé dans l'obscurité qui n'a pas été touché depuis si longtemps. Pardon, j'allais faire une allusion, mais je la ferai pas parce que je suis adulte. Je crains que le minerai ne soit pas la seule chose que l'on pourrait trouver. Tiens, prends ça, tu pourras en avoir besoin.
Merci vieux borne. Vous avez reçu et perrouillé. J'ai oublié, je m'appelle Marlon. Je gère la guilde des aventuriers dans la vallée. Je vais garder un œil sur toi. Et tes preuves, et peut-être que tu pourras devenir un membre de la guilde. Je veux pas, y'a que des dramas dans les guildes, c'est trop chiant. Ouh, attends, t'as descendu? Ah oui, t'as descendu, t'as déjà fait 1000 trucs. Non, je fais juste un. Tu veux venir prendre le minerai? Je peux place. Ah non, moi aussi j'ai quasiment plus de place. Attention, faut qu'on les tape. Ah, t'as trouvé quelque chose. J'ai plus de place, je vais jeter bah, un peu non plus. Je sais pas comment manger. Tu mets à la poubelle. Ah mais j'ai des trucs intéressants quoi toi. Ouais ouais. J'ai arrosé le caillou. Ah c'est pas mal. Attends, je vais peut-être te filer les minerais de cuivre, non? Ouais, tu peux. Là, elles sont là, faut que t'ailles de ce... en bas de ça. Ah, ok. Ça te les a pris? Ouais. Oh, mais y'a plein de cuivres en fait. Ah, sûrement que tu les prennes parce que je peux pas les accumuler moi. J'ai d'autres trucs précieux. Regarde, ça les prend. Ça les prend, ça les prend. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attention, y'a une babette, y'a une babette. Niquer. Ça sert à bien ça, mais t'as pas de place toi. Sinon je mange un poireau. Voilà, je mange un poireau. Comme ça j'ai pu prendre du quartz. C'est du quartz. Je pense que l'arrosoir quand on va dans une mine c'est tu pas peux ouf. Prendre les minerais. Tu peux prendre les minerais qui sont à gauche. Genre ceux-là. Il est 21h40. Bon, on essaye d'atteindre un palier peut-être. C'est 5 ou 10, je sais plus. 5 sans doute. J'ai dit explorer les mines, atteindre le niveau 5, ça doit être le 5. Ah ! Je sais pas ce que c'est ça, mais je peux pas le prendre, c'est bon. Oui, c'est que je. Mais j'ai pas de place non plus. Hein. Au bout d'un moment, me donner. C'est un cristal de terre. Oh chiant. Moi j'ai du quartz, donc si tu trouves du quartz, je pourrais le prendre. Ah oui, tiens. Bonne Gaël. Tiens, le quartz. Et j'ai aussi une chiant, goutte jaune. Goutte de pipi. Ouais, eux ils ont trop de vie. Une goutte jaune, c'est de la sève ça. Moi les slims, je les ai. Hein. Je les ai sur ah, okay. Moi. Je peux les jeter, ça va les tellement prendre. Et les vie, algues aussi. Bâtard. Et c'est mes algues, j'ai tout. T'as trouvé l'entrée ou... Ouais, ici. D'accord. Descends. Ah bah voilà. Ah bah voilà. On a un peu, pop. On a un petit ascenseur. On peut explorer et on peut casser. Le charbox, je peux pas le prendre. Moi non plus. Mais c'est bon, on prend l'ascenseur. De toute façon, il est bientôt minuit. On se casse. D'accord. Bah le temps de rentrer, il sera déjà à 2h. Mais oui, j'avais vu le coup des cailloux en animal de compagnie. Mais c'était un peu un troll et finalement ça s'est vendu. Enfin, c'était complètement un troll mais ça s'est vendu. Voilà hein. Moi dans bien des cas, tout le temps même, je préfère que les gens achètent des cailloux plutôt que des animaux de compagnie. En vrai, quand tu y réfléchis quoi. Je parle d'acheter, je parle pas de ceux qui vont dans les refuges.
Bon, par contre, si c'est pour ton gamin, ça peut être dangereux de lui acheter un caillou, quoi. Moi, je vais dans la belle maison, ma cabane, elle est pourrie. Extraction minière plus 1. Oh, t'as eu... Oh ouais, moi, j'ai pas eu, moi. Moi, j'ai eu rien, moi. Oh, c'est mignon! On se fait stalker! Bonjour! T'es vu briser des rochers avec ta pioche pour trouver du minerai? C'est du bon travail! Mais comment ça, tu m'as vu? J'étais dans une grotte. Tu vas pouvoir tirer le meilleur des le meilleur à partir des minerais que tu trouves, t'auras besoin d'une fournaise. Il s'avère que j'ai des plans de construction fournaise supplémentaires. Tiens, ils sont pour toi. Compétence de fabrication fournaise apprise. Fournaise te permet de faire fondre des lingots de métal. Lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat, la construction et l'amélioration d'outils. Merci! Vous pouvez partir de chez moi? Parce que t'auras obtenu quelques lingots de cuivre, passe me voir. Oui, d'accord. Ben, je rentre chez moi. Consomme-toi. Merci! Merci de partir! Alors, le coffre. Non, mais est-ce que j'ai pécho dans le coffre? C'est chiant. Tu peux tout déposer en faisant un contrôle, clic, machin. Pour l'instant, je dépose mon arrosoir. Mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi ne viens-tu pas me rendre visite, merde? J'habite à l'ouest du lac de la forêt dans la tour de pierre. J'ai peut-être des informations concernant ton problème de rat. Signé monsieur Asmodius, sorcier. Asmodius, sorcier? Pourquoi tu croyais? Que tu as exploré la vieille mine, mais arrêtez de dire que hé, vous m'observez trop. T'as l'esprit d'un aventurier, ça c'est vrai. Tu peux tuer 10 slimes, tu auras ta place dans ma guilde. Je veux pas ta guilde. Je vais m'occuper de mes poules. C'est où les poules? Voilà. Elles ont à manger. Bon bah c'est bien. Après on retrouve plein de cailloux abandonnés au bord de la route. Tu les as caressés les poules? Non. Parfait. Voilà. Je sûr qu'on peut laisser ouvert en vrai. Je ferme au cas où. Ouais. Hein. Non, c'est pas ça que je veux faire, je veux trier. Voilà. Ça c'est fait. Attends, il nous reste du coup. On peut rencontrer le sorcier, nourrir les animaux. Bah ça on est en train. Présentation, il ne manque qu'une personne. Atteignez le niveau 40 dans la mine, construisez une fournaise, entrez dans la tour du sorcier, initiation. Ok, et ben si on va tout à gauche, on peut trouver le sorcier. Il a dit que c'est tout à gauche. Je sais pas trop par où. Ouais. Est-ce que si on monte comme ça, ça passe? Oula, non. Ça a pas l'air d'être ça. Je suis allé au pif. Non, ça a l'air d'être ça. Ok, je vais de l'autre côté. Parce que je sais que pour pouvoir débloquer le centre communautaire, faut lui parler à lui. Ça, je m'en rappelle. Le message du sorcier, je l'ai eu au 14e jour. Bah, tu l'as après avoir visité la mine. Donc, si tu mets du temps parce que, je sais pas, tu développes ta ferme et tout avant, et eh ben, tu l'auras plus tard, quoi. Je crois, hein, à moins qu'il y ait un timing en plus que je connais pas. Mais il me semble que ça dépend juste de ça. Parce que du coup, c'est le sorcier qui va nous permettre de déchiffrer les écrits du centre communautaire. Et il me semble que c'est que quand tu fais la grotte. Ça faisait un moment que j'ai visité la mine. Ah ok. Après il y a eu des mises à jour aussi. Là on a même bah, la preuve, on a même des petites poules et tout ça. Ça tu l'as pas. Enfin il me semblait avant quand on commençait le jeu ou selon la ferme que tu prends. T'as pas ça direct. Donc peut-être. On a notre petite poule. Qu'est-ce que je fais là? J'ai dû faire au moins 1000 pompes hier. J'en plus. Qui c'est qui dit ça? Je sais pas, un jeune trou du cul. Eh oh, ça se trouve, je vais me marier avec lui. Fais ça. Je sais pas si on peut se marier ensemble, mais ce serait rigolo avec des PNJ. Est-ce qu'on peut se marier avec tous les PNJ? D'un coup. Enfin, un giga mariage.
Bah je sais pas par où c'est. Attendez, je vais regarder. Tic tac tout. Bah oui, je voulais descendre. Ah, c'est là. Voilà, c'est ici que je voulais descendre, mais je sais pas par où c'est. Donc c'est plus à droite. Ok. Ah, c'est là. Belle hache ici. Oh, les bruits de pas, ils sont si forts. Je peux les baisser? Oui. Je vais les baisser après. Mais je vais arriver en première. Peut-être. Je suis Rasmodius, chercheur de vérités arcaniques. C'est la Goxelaire qui fait ça, c'est pas ma faute. Des fois, elle fait ça. Je vis entre le monde physique et le monde éthéré. Je suis aussi maître des sept éléments. Non, je vais pas faire ça, pardon. Bon, je fais une voix aiguë, mais je sais pas quelle voix faire. Je sais pas. Gardien de la sacrée, bon, t'as compris. Et toi, Lox, celle dont l'arrivée est prévue depuis longtemps? Je suis connue. Je voudrais te montrer quelque chose. Admire-moi ça. Oh non, il va montrer sa... Couille. Couille. J'avoue. Tu en as déjà vu un, n'est-ce pas? Alors, bon. Elle est trop facile, celle-là. Non, elle est trop facile. Il s'appelle Junimos. Trop bizarre comme nom de quand même. Tu peux pas l'appeler Popol comme tout le monde? Ça dépend, certains l'appellent l'anaconda. Qu'est-ce que tu... Ce sont des esprits mystérieux pour une raison quelconque. Ils refusent de me parler. Je ne sais pas pourquoi ils se sont installés dans ce centre. Mais tu n'as aucune raison de les craindre. Mouais. J'ai trouvé un parchemin doré écrit dans une langue inconnue. C'est vraiment très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Reste ici, je vais aller voir ça. Reviens, je reviens très vite. Eh, les effets spéciaux. Ah, mais c'est là qu'ils nous droguent. Ah si, je dis pas de bêtises. J'ai trouvé le parchemin. La langue est obscure, mais j'ai pu la déchiffrer. Pour moi, c'est un hippie avec des champis, hein. Franchement... Hippie champi. Nous, les Rouminos, sommes heureux de vous aider. C'est la bonne voix, ça, ce parfum. En retour, nous demandons des cadeaux de la vallée. Si vous ne vous faites qu'un avec la forêt, la vraie nature de ce parchemin sera révélée. C'est du chachemé. Mais oui, non, mais c'est vrai, il nous drogue, j'avais oublié. Un avec la forêt, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous demandez à Pocahontas. Au détour d'une rivière. Au détour de la rivière. Au détour de la rivière. Viens par ici. Hop, tu te calmes. Vieil homme violet. Mon chaudron fait mijoter plein d'ingrédients de la forêt. Oh super, il a pris des cailloux et de la boue et il en a fait un vieux pâté comme quand on avait 6 ans. Bébé fougère, vert moussu, champignon vénéneux. Tiens, voilà, c'est ce que je disais. Tu sens ça? Tu sens ça? Tu vois ça?
Tiens, Boa, laisse l'essence de la forêt envahir ton corps. Doucement la phrase, doucement. Doucement. Plus 38 d'énergie, ok. Ok, ça va. Il va faire tout vert. Je me rappelle pas que l'hallucination durait longtemps comme ça. Je te dis ça. Non mais dis littéralement que c'est une soupe contenant des champignons vénéneux et tu bois. Mais j'y peux rien, mon perso n'a aucun instinct de survie. Je te garantis que j'aurais foutu à la gueule moi. Le pouvoir de la magie de la forêt obtenu. Maintenant, vous pouvez déchiffrer la vraie signification des chemins, des parchemins. Hronimo. Oh non, il fait nuit. Ok, bah c'était cool. J'ai été drogué puis mis à la porte. Pas une soirée dingue. Bonne soirée. Ouais. Bon, pour la peine, je pêche. Bah finis ton énergie comme ça. Oui. Bah oui, plutôt que de commencer à faire des allers-retours. Limite, j'aurais pêché sur notre camp. Quoi que ça va, il est 21h, c'est à 2h, ça va. Allez là ! Naze, j'ai raté, j'étais entendu dire allez là, et du coup ça m'a déconcentré pour appuyer sur le plus X d'énergie, c'est genre de l'énergie que t'as... C'est l'énergie max, c'est ça ? Je pense que tu peux pas... Oui, tu peux pas avoir de réserve d'énergie, je pense. Non mais je veux dire... Est-ce que c'est les... genre on était à 50, il nous a passé à 80 ou est-ce que... Oui, je pense, ouais. Enfin non, ah non, 38 d'énergie. Je pense que... Je sais pas si tu veux savoir si c'est la barre d'énergie qui a augmenté ou si c'est juste que ça nous a régène. Je sais pas. Je pense qu'on aurait eu... Putain, je peux pas pêcher ici. Je pense qu'on aurait eu un message plus clair si ça nous avait augmenté notre stock total d'énergie. Je pense. Fait nuit. Il a juste régène, ouais. Mais je sais qu'il fait nuit. J'ai remarqué, hein. Fait je nuit. Me prends des arbres tout le temps. Marqué, hein. J'ai remarqué, hein. Je vais dégager un peu le chemin pour venir. Il est hiver. Bah, ça va t'arranger toi, non mais oui, non. Je t'ai dit, c'était une blague ou non, mais... oh là là. Oh, ça y est, 2024, on peut plus rien dire, c'est la société. Putain, oui, c'est ouais, toi qui dis ça en plus. Ouais, je sais pas où je suis. Eh bah, débrouille-toi. Mais débrouille-toi. On vous a déjà fait voir la pub où Lox jouait dedans, non? J'aurais pu, ça se trouve, j'avais l'âge de la gamine quand elle a été tournée. Non. Ah, t'es beaucoup plus jeune, parce que c'est une vieille. Ah ouais? Ah, elle avait pas l'air si vieille, la pub, comme ça. Bon, bah, je sais pas où c'est. Bah, c'est au-dessus de toi, là. Oui, oui, non, mais je voulais... En fait, je sais qu'il y avait un petit truc de flotte. J'aurais bien aimé pêcher un poisson avant de... Voilà. Cueillette niveau 1. Par contre, tu joues sans main ou tu... Je joue sans main, c'est ça. Trop dissipé pour pêcher. Non, c'est parce que je lis le chat des eaux. Demain il fera beau. Faut qu'on aille au centre communautaire. Les esprits sont d'humeur normale. Je vais m'occuper des poules. 18. Compétence machin. Il y a une compétence à apprendre à la télé. Ah ouais? Il y a des œufs. J'ai des journaux détrempés, mais ça, je vais les vendre. J'ai un pouvoir en faire. À les jeter, mais je vais les vendre. Je vais les vendre. Tu m'étonnes que l'avatar soit bleu, il gère tous les trucs chelous qu'on lui donne. Aucun instinct de survie, je te dis. Mais c'est pas moi, hein. Moi, dans la vraie vie. Non. Non, 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 non. Dans la vraie vie, je te garantis non, que je gère pas des non. trucs comme ça. Hein. En plus, il y a des champis dedans. Trop dégueulasse. T'as caressé les poules, t'as ramassé les œufs ? J'ai pas ramassé les œufs, j'avais pas de place, mais j'ai caressé les poules.
Elles ont une petite cascade dans leur, dans leur enclos, c'est trop mignon. Faut qu'on ait un centre communal. Et d'ailleurs, prendre des trucs étoilés, ça peut être bien. Prendre des trucs étoilés sur soi. Quoi ? Ça peut. Parce que le centre va nous en demander. Du coup, bah, si on a déjà, je sais pas, une fleur étoilée par exemple, il y a des chances pour qu'elle soit demandée. Un truc comme ça. Ah, je m'en rappelle plus du tout de tout. Hein. Plus tard, tu pourras aller recycler les journaux. Ah oui, je m'en rappelle. C'était pour une compo en particulier ? Je crois. Qu'est-ce qu'on faisait avec le recycleur ? Il n'y a pas du métal qu'on pouvait avoir dans le recycleur ? Mais pas avec le papier, ça doit être avec autre chose. Et comme ça, on pourra racheter des graines aussi. Ouais, je vais y aller. Effectivement. Je suis en train de trier tout ce qui est végétal et... Tu tries les coffres. Pas végétal, quoi. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Mais... Merci, Rayas Music. Merci beaucoup, bienvenue. Le centre, il est tout là-haut. Bah après, limite, attends, avant d'y aller. Et je te dis si déjà dans les coffres, on a un truc qu'on peut ramener. Alors je sais ben plus ouais. Si on... Non, au début, faut déjà faire celui-ci, ouais, c'est ça. Du coup, là, on peut lire, voilà. Il n'y a pas besoin qu'il soit étoilé. Il nous faut... Ah oui, les sortes d'ananas. Normalement, on en a des navets. Alors, attends, bouge pas. Le réfort. Est-ce comme ça. Jonquille, poireau, pissenlit. Alors, une jonquille, j'ai. Du réfort, le truc qui ressemble à l'ananas. J'ai un réfort, ça, ouais. J'ai. Le pissenlit, tu l'as déjà vendu. Ouais, donc, bah oui. J'avais pas. Mais il y a d'autres trucs, c'est attends. C'est quoi là à côté ? Ah, c'est des champignons, je pense. Ah, c'est du, pas... du bois. Ah, il faudra du bois aussi. Du bois et des cailloux pour la reconstruction. Mais ça, on va le faire en plusieurs fois de toute façon. Je sais pas assez ça. Cueillette, on n'a pas de truc de cueillette. On a peut-être. Baie épicée, raisin ou poids de senteur, l'un des deux, l'un de tout ça. Oh la vache, je me suis. J'ai rien. Et sinon, mais ça c'est normal, c'est l'hiver ça. Là, enfin, le truc que je t'ai montré c'est l'été et après ça c'est l'hiver. Ouais, d'accord, mais il y en avait un qu'on avait déjà. Peut-être, mais faut faire gaffe à tout ramasser. Et ça c'est l'automne. Ouais. Voilà, bon, déjà on peut ramener ça et je crois qu'il faut faire la reconstruction et peut-être que là on a accès à un peu plus d'autres trucs à faire. Je crois que c'est la reconstruction qui nous débloque des trucs, mais je me rappelle mal. Et parce qu'après, dans chaque pièce, on aura des trucs comme ça à déposer. Mais du coup, bah, mes petits yeux et mon poisson, ils ne servent à rien pour le moment. Bah tiens, ici, il y a une plante. La jonquille. Bon, de toute façon, tu vas aller la déposer. Je vais essayer de voir ce qu'on peut choper déjà. Bah moi, je vais aller la déposer. Ouais, j'ai des jonquilles. Bon, de toute façon, au pire, on les vend. Hein. C'est l'anniversaire de Lewis, il est juste devant l'arbre. Si tu veux lui donner une petite jonquille. Ah ouais, pas con. Vas-y, il est là. Je vais lui donner une jonquille. Ouais. Tu as donné une jonquille, toi ? Là, juste là, ouais. Ouais. Moi, j'ai rien donné. M'en branle de rien. Vous avez passé du temps dans l'ancien centre communautaire. C'est bon de savoir que quelqu'un s'occupe de cet endroit. Je peux lui offrir un œuf aussi. Bah, folie, je peux pas une œuf. T'es souvenu de mon anniversaire ? Très gentil de ta part. Un très beau cadeau. Ah, il est content de sa jonquille. Va la déposer. Ouais, je vais. Ah, bah oui, d'accord. Mais faut que tu déposes des autres trucs, toi, puisque tu vas plus avoir de place dans ton inventaire. Si, mais je te file le réfort. Bonne nuit, mon toto. Tiens, viens, je vais te filer le réfort. Le tèche sur le sol ou. Je crois pas. Si, en pensant, je le tèche sur le sol comme as. Viens de prendre. Ok. Et l'autre fleur, c'est con, je l'ai vendue. Ah, mais peut-être ici, je peux la trouver en vrai, là. Dans le coin, là. Ça passe, là. Déjà, on va déposer ça. Il faudrait full bois, full pierre. Et une quête sur le tableau aussi. Ouais, bah, les quêtes, hein. Merde. Non, faut compléter un entier. Et celui-là, il est faisable.
T'achètes plein de trucs, j'ai vu nos sous. J'ai... Qu'est-ce que tu fais là? Eh hey, mes sous. Eh hey, mes sous là. Ah bah tiens, bah, une jonquille. Ah bah tiens. Mais je viens de... Bah y'a quelqu'un qui veut une jonquille. Oh. Bah je viens en bus, heureux. Accepter la quête. Ma jonquille, moi. Je bah c'est pas grave, on en a une... Bah toi t'en as une, haut, vas-y. Accepter la jonquille. Non, non. Bah non. Ouais, bah, mais y'a une quête, il faut offrir une jonquille à je sais pas qui. Bah vas-y, fais-la, prends-la. Vu que t'as une jonquille sur toi. C'est la quête... C'est Gus. Non, j'ai pas de... jonquille sur moi. J'ai déjà offert. Je sais pas qui c'est. Bah super. Bah moi j'en ai plus de jonquille. Mais y'en a une dans le... Je crois y'en a une dans le... Dans le coffre. J'ai mis la musique, mais là c'est un truc un peu bizarre. Bah sinon... Ah oui, je voulais baisser le son des pas. Il est chiant un peu. Un volume des pas. Ah, c'est mieux. Oh, c'est vachement mieux. Et du coup, on a fait la quête de rencontrer des gens. Je sais pas, moi, j'arrive pas. Comment ça, 27 sur 28, j'ai trop... Mais on a parlé au magicien, ça compte pas? Non, il y a plusieurs trucs, à mon avis. Il y a encore un qu'on a pas vu. Le magicien, il compte pas, mais ça dégoûte. Qu'est-ce qui reste, alors? Bon, je vais essayer de faire la quête de la jonquille. C'est qui, Gus? Je regarde. Ah oui, je vois la celui gueule. Du bar, je crois. Je en train de ouais, je crois que c'est celui du bar. Je crois que c'est celui du bar. Bon, oui, c'est ah bah, il manque c'est... elle. Mais... Elle est où, cette petite blonde, là? Je vois pas. On l'a encore croisée nulle part. Pourquoi elle casse les couilles, celle-là? Pardon, casse les... couilles. Bon. Voici ton paiement comme prévu. Trouve une jonquille, fais-lui, c'est gratis. Ouais, bah j'en trouve pas des jonquilles, moi. Je trouve même plus de fleurs. Si, si. Nounou. Si, bien sûr. Bah. Nounou. Bah. Non. Udam. Non. On va pas avancer. Hein. Allez, go. Tiens, j'en ai une là, une jonquille. J'en ai une jonquille, il faudrait que... Je te la file. Mais je sais pas si moi je peux la faire maintenant que tu l'as faite. Bah tu l'as encore fait ou pas? Bah je suis loin en fait. Là le temps d'aller au village, il fera nuit. Comme d'hab. Mais non, t'es juste à côté. Non mais moi je cherche la dernière qui me manque là. Dernière villageoise de mes deux. Je n'ai pas. Parce que bah je pense que ça débloque des trucs. Et si je parle aux sorciers maintenant, est-ce que ça va considérer comme des présentations? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce cochon? J'avais allé, que j'avais pas parlé encore. Et ça m'a validé le. Oh, c'est elle qui manque. Elle est où? Elle habite où? Elle est dans sa maison, là. Non, mais elle est... c'est où la maison? Elle. C'est la maison au village. La rouge. Celle qui okay. est à côté des égouts. Et par contre, bah, il fait nuit, donc elle est rentrée dans sa chambre. Regarde si tu peux avoir la quête de la jonquille. Je rentre là. Enfin, j'y vais, ça met du temps, tu sais. J'ai pas de scooter. Ah. Mais de toute façon, Gus, il sera pas dispo. Si, si, il est au bar. Apporter une jonquille. Voilà. Merci. Bienvenue. Ah, attends. Ah oui, vas-y.
Merci. Oh, tu fais des grands pas avec des petites jambes. C'est vrai que je fais des grands pas. Le personnage utilise à peine les genoux pour marcher. Bon bah on va dormir hein. Oui. Fini mon arbre. Si je dégage un petit peu. Même si je vois rien. Y'a moyen de se crafter une torche ? J'ai pas fait grand chose là, mais bon. Je squatte. Ouais. Oh, sûrement que tu valides ton petit truc. Quête. Fabrication épouvantable, engrais de base. Mais moi je chope rien, pourquoi je débloque parce rien que moi. Tu n'arroses rien, tu ne plantes rien. Mais je pêche voilà. Moi. 1-0 PO vraiment le journal des trempes. Oui, allez avance, je peux pas, le jeu se lance pas tant que t'es dans ce menu. Ah bon. Oui, je suis en attente. Et toi tu de... vois pas ce menu. Non. Ah bah c'est nul. Non, je vois, en attente du joueur. Ça tu vois pas le menu de vente. Si, si, je l'ai vu, mais je l'ai passé très vite. Ah, d'accord. Tout ce qui est végétal, tu poses ça là-dedans, là, avec le bois, les machins. Tu fais contrôle et tu cliques. Clic-clic pour tout vider d'un coup. Pas besoin de faire contrôle, hein. Clic gauche, ça suffit. Ouais, mais ça déplace ta. Bah là, j'ai fait contrôle, ça l'a déplacé aussi. Bon, là, j'appuie sur contrôle. Ça m'a déplacé encore ma souris. Donc je sais pas. Bon, je vends mon poisson, pour le moment je peux rien en faire, donc je... Ah, c'est peut-être que ta manette est connue, j'en sais rien. Mais moi ça le fait pas. C'est possible. Garde, fais ça et la roule. Ouais, je vais chercher le grognasse, tu parles. Non, il va voir après. Il est trop tôt, ça sert à rien. Mais où mon matos? En plus, je donne à manger aux poules et je les caresse et ça me débloque rien. Allez! Mais vraiment? Un sup l'arrosage en vrai! Ouais, c'est pas évident. Ouais. Encore pas fermé les poules cette nuit, c'est nul. Bah, c'est pas grave, non? Salut Darkatsu. Non, moi je suis sûr que c'est pas grave. Y a pas de renard. Donc en vrai les poules, elles se rentrent, elles sont tranquilles. Peut-être que l'hiver par contre elles peuvent avoir froid. Ce serait assez logique. Il m'est sorti par la bite celui-là. Merci pour le follow. Merci Darkatsu. Et bah encore une jonquille. Y a encore quelqu'un qui veut une jonquille. Bon, il est quelle heure? Il est 9h. Donc que je peux enfin rencontrer la dernière qui me manque. C'est cette maison là je crois. Je suis pas sûre en fait. Non, c'était pas celle-là. Mais à tous les coups elle sera pas chez elle. Non, c'est pas ici. Donc c'était celle d'à côté. Et ben... Bah je sais pas où elle est. On est marre de cette mission. Je veux parler à tout le monde. Elle est là. J'avais pas vu, elle est là. Je vais attendre. Oh putain. Oui. Un sup. Elle, je l'aime pas déjà. Trop galère à trouver. Voilà, ma livraison d'hier. Donnez un cadeau à quelqu'un. Mais j'ai déjà fait hier, j'ai donné un cadeau à quelqu'un, il était super content. Je
du Ninjonki. Moi, je vais aller pêcher, moi. La pêche, ça rapporte, ce me semble. Ouais. Même si je me rappelle mal. Oh la merde. Ramasser une moule. D'accord. Et le bruit de la mer est super fort. Son ambiant. Voilà. Bon, j'aille un peu à la mine, je pense. Moi, je voudrais au moins développer une compétence. Je suis sûr que je peux. Bah, la pêche, ça le fait aussi. Tu peux développer pas mal de trucs. Le bagarre. Compétence bagarre. La bagarre. Ah, c'était bien. C'est l'anniversaire de Vincent dans 2 jours. Ok. Mais y a encore quelqu'un qui veut une jonquille. Bah c'est Marnie. Marnie. Je sais pas qui c'est. Marnie, c'est qui, Marnie, Marnie. C'est, on la voit à la taverne aussi, il me semble, le soir. Après, je sais. Je crois qu'elle bosse à la ferme. Je crois qu'elle bosse. Ouais, dans une ferme. Ouais. Eh ben on ira y offrir une jonquille à la taverne le soir. Trouve ta jonquille. Je pêche. Trouve ta jonquille, pêche. C'est si long. J'ai un rang. Vous avez des nouvelles idées. Ah, je crois que j'ai débloqué un truc. Ah bah peut-être des cannes à pêche et des conneries comme ça. Ouais, je crois que la canne à pêche il faut l'acheter. La meilleure canne à pêche. C'est pas grave. Oh, un flet. Il est pas trop tard si je parle au gars. Ah, je peux acheter de la soupe de poisson, fumoir à poisson, une recette. Canne à pêche en bambou, celle que j'ai. Je peux avoir canne à pêche d'apprenti. Beaucoup plus facile à utiliser que d'autres cannes à pêche, mais ne peut attraper que des petits poissons, que des poissons communs. On peut avoir des aquariums. Et on peut avoir un lit de pêcheur. Okay. D'accord, ok. Ça coûte que de la thune. Oui. On verra ça plus tard. La petite canne à pêche, ça peut être bien quand on est au camp, enfin à la ferme, et qu'on veut juste utiliser notre énergie à pêcher les poissons, à pêcher des poissons sur dans les petits lacs qu'il y a près de la ferme. Comme ça, ça pêche que des poissons communs, parce que je crois que de toute façon, on peut avoir que des poissons communs là-bas. Mais du coup, bah, c'est plus, j'imagine, plus rapide et apparemment plus facile. Le coffre. Oui, je l'ai eu. Trop bien. Une sardine. Et j'ai eu des appâts et du charbon. Et j'ai plus de place. Mais je peux vendre mes poissons. Donc je vais les vendre tout de suite. Est-ce que, par contre, ils les achètent au même prix? 37, 37, 100. J'ai fait des sous. C'est bien. La pêche, ça va, c'est cool. Ça, c'est vrai que ça rapporte, par contre, bah, tu pêches 5 poissons dans la journée, quoi. En gros. Je pense que de toute façon, avec ma canne à pêche à moi, je peux peut-être avoir que des poissons communs aussi. Ah, peut-être pas. Peut-être que juste les poissons pas communs sont durs à attraper avec. Genre le temps pour les pêcher et tout est très réduit et du coup, c'est très galère.
Bon, heureusement que je sais que c'est un pêcheur, parce qu'avec le peu que je voyais en bas de l'écran par rapport à ce que le gars faisait, on a pu penser qu'il faisait autre chose. Non, ça, c'est un gros poisson, ça. Chose, regardez, là, on voit pas tout, là. On voit pas tout ce qu'il fait. J'ai eu un flet, ça coûte 100 balles, les flets. Toile. Non. Seulement toi. Moi aussi, je vais aller à la grotte. Mais avant d'y aller, je pense que je viderai tout mon inventaire et peut-être que ce serait bien même d'avoir une petite bouffe sur soi. Comme ça, on peut... vraiment rester plus longtemps et mon but c'est de faire du cuivre. Attends, c'est juste pour le cuivre, ok. Et buter 2-3 trucs. J'ai trouvé pas mal de cuivre. Pour lancer 2-3 conneries dans la fournaise. Sardine. Ouais. Pour la fournaise. Et il faut tuer des slimes aussi, il faut en tuer genre 40, je crois. Non. 10. Ouais, 40 c'est le niveau qu'il faut qu'on atteigne dans la grotte. Bah ce sera pas maintenant. Non, tu le fais en plusieurs fois de toute façon. Ah bah tiens, pas la miège. Ouais. 19h je crois que... Je sais pas quel étage je suis. Ah peut-être que je rentre. Ah oui c'est vrai qu'on le voit pas. 9. Tu le vois à gauche. Si tu fais un étage encore, et ben tu pourras avoir l'ascenseur. Ouais, je vais faire. Ok. Bon, ça se passe bien. Ça va être mon dernier, je pense. Le temps de rentrer après. Les chaussures. Les chaussures. La sève à la poubelle. Ok. Le temps d'aller à la taverne. Les chaussures, je peux les équiper. Comment on fait pour voir ça? C'est ça le slot. Oh, t'as des chaussures, moi j'en ai pas. Ouais, bah ça à l'étage. Je suis nu-pied, Royal. Faudrait que je regarde si ça peut se dégager. Oh, y'a un gars qui fout dans les poubelles. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Il se fait en guirlandax. On dirait que ces atroces entendent la verre sont de retour. Cette année vermine. Oh, il y a un réverb, pardon. J'arrive pas vraiment ma tête. Voiture en service, un vieil homme. Pourrais-tu aller au bout de la rue et chasser la raton laveur? On va faire partir. N'oublie pas, donne-le une bonne frayeur. Mais ce n'est pas un raton laveur, c'est un vieux. Il a soif. Oui, c'est moi, je suis désolé. Oh. Je trouve beaucoup de nourriture dans ces boîtes de conserve. Ces choses qui vont être périmées si je ne les prends pas. Raton laveur vieux. Un vieux laveur, quoi. Tu crois que c'est mal ce que je fais? Mince, j'ai enlevé le truc. Tu crois que c'est mal ce que je fais? Oui, c'est dégoûtant. Non, c'est dommage que la nourriture soit gaspillée comme ça. Oui, c'est illégal, la propriété privée de George. Non, tu devrais trouver un travail et arrêter de vivre au crochet des autres. Ah, oh, la réponse de Sakam. 100% j'appuie là-dessus, hein. Je te le dis. Hein. J'ai toujours répondu... non, c'est dommage que la nourriture soit gaspillée. J'ai peut-être fait deux parties avant. D'où début de partie, j'ai toujours dit ça. Je vais répondre la réponse de bâtard juste pour tester. Le monde n'est pas fait pour ce monde, Love. C'est pas ce que c'est que d'être moi. Je ne fais de mal à personne. Je veux juste vivre ma vie comme je le souhaite. Est-ce si mal? Tu peux rentrer chez toi, je promets de ne plus fouiller dans les poubelles. Oh, en vrai, moi... Dans tous les jeux, je fouille dans les poubelles en plus. Il se fait encore rattraper. Il se fait tard. Je suis encore en cinématique. Attends. Ah, il va lui donner un truc. C'est ce que tu faisais, Linus.
Tu as besoin de nourriture, il suffit de demander. Allez, s'il vous plaît, je vais m'évanouir en fait. Maniez-vous, je vous en supplie. Il quelle heure? Là, je vois pas l'heure. Putain, en plus je suis loin, faut chier. Oh, j'ai plus... Il faut que je rentre vite. Mince, c'est pas par là, je pense. On va faire ça. Ça, ça. Par où? Par là. Putain, j'ai plus qu'une heure. Vanus et une... Mais ouais, mais... Punaise, ils ont parlé tellement longtemps aussi, les autres, là. Je suis saoulée. Ils vont me faire m'évanouir. En fait, quand tu lances une cinématique, faut être le matin. Ah, mais ici, pour rien, ça s'est lancé multi... tout seul. Ouais, mais... Tu es allé dans le village pour rentrer? Ça s'est lancé? Ouais, bah ouais, je sais bien. Mais en multi... ça passe le temps, quand même. Bah ouais. Donc, du coup, voilà. Ça va. Oui, enfin, compétence canne à pêche. Oh, c'est bon, j'ai eu un point de compétence. La pêche, pas mal, hein. Ouais, sachant que j'avais déjà vendu durant la journée. On a eu 1000, facile en pêche. Mmh. Allez, peut-être 8, entre 800 et 1000. Ok, on part sur la pêcheuse pro. On a la thune, hein. Je vais nourrir les poules. Enfin, pas nourrir, du coup, ça va plus être l'écart ici. Mais c'est quoi, ça se ramasse, ça? Faut qu'on trouve des plantes aussi. Sors les poules et... Oui. Et j'aurais fait un petit câlin. Je crois que tu l'es un homme. Ouais. En bas de chez nous, il y a une ferme. Je sais pas si c'est possible d'acheter une petite poule en plus. Ouais. C'est possible. Après, ça coûte un peu. Ah ouais? Parce qu'elle est rentabilisée avec les œufs qu'elle nous donne, tu vois ce que je veux dire. Mais les œufs, on les vend ou pas du coup? Qu'est-ce qu'on en fait? On les garde pour le moment? Pour l'instant, je les garde, mais au bout d'un moment, on va les vendre parce que c'est cher. Peut-être faire un truc en plus, quoi. Pour l'instant, je me concentre sur le silo, voir si j'ai assez pour faire des trucs. Ok. Mais il faut de l'argile et il en faut je sais pas combien. C'est où le chemin pour aller à la ferme d'ici? C'est tout en bas de chez nous. Oui, mais je regarde le chemin. Sorti par la bite, celui-là. Merci, Chamallo. Bienvenue. Merci beaucoup. Oh, une petite grotte. Ok. Du coup, on cherche une petite poule. Je crois que c'était là. Hein. Là, c'est la ferme à bétail. C'est fermé, ouvre à 9h. Ça va, ça reste 9h. Bah, je vais regarder si je trouve des plantes en attendant, puisqu'il nous faut quand même les plantes du centre communal. Là, ce serait bien qu'on évite ça quand même. Ah, je suis bloqué. J'ai pas trouvé beaucoup de plantes à ramasser en vrai. Si je peux en trouver ici. Normalement, oui, c'est une grande étendue d'herbe avec plein de trucs. J'ai vu que des jonquilles. Enfin, si, j'en avais vu une autre et puis je l'ai vendue parce que bah c'était au début du jeu. J'étais innocente. Oh, mais si, ça se ramasse ça. Ouais, j'ai eu des pissenlits. Cool. Il ne manquera plus que l'autre. Bref, plus qu'une. Je sais plus à quoi ressemble. Ah, mais si ça se trouve, je les rate c'est en fait. C'est un poireau, je crois. Qu'il... Ouais. Oui, ça doit être ça, oui. Il ne manquera plus que celui-là. Bah, elle est pas là. Oh, oh. Oh, oh. Non, mais attends. Vends-moi des trucs. Non, mais pour la journée. Quoi? Bah en fait c'est non, fermé. Pas cela, c'est des connards et j'en joue pas avec ça. Il pouvait pas le dire tout de suite. Salut Yurelias, mince, c'est pas du tout la bonne voix, désolé. Oui voilà. Ah merde, pas mieux. Attendez. Merci beaucoup pour le raid Yurelias, merci. C'est toi, bonsoir, merci beaucoup.
C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Qu'est-ce que tu faisais? Attends, je vais shoot-outer, je sais plus si mes mots doux sont encore là. Hop là. Dans le doute, je fais. On va shoot-outer les raiders. Merci beaucoup, c'est très gentil. On est sur... un peu de joie pour changer. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ça, c'est un live compliqué. Ça arrive. Bon courage. Vite de remettre un peu de gaieté après un jeu trop émouvant. Ah, ça fait quel jeu? Coucou Deltaplane, comment vas-tu? Oh punaise, ici il y a un petit... Un truc en ruine. L'endroit a l'air abandonné. Bah oui, mais j'ai cru constater. Description très à propos, effectivement. Déjà un jeu du sable. Comment ça un jeu du sable? Ah! Sadland! Sandland. Bref. Oh, t'as fait Soldat Inconnu! Ah ouais! Moi, quand je l'ai fait, j'étais pas très concentrée. Mais du coup, je me suis beaucoup marrée, mais je l'ai pas fait en entier. Hein. Du sable émouvant. Du sable émouvant. Bien joué. Je suis perdu. Et tu faisais le premier Soldat Inconnu? Je viens de chialer en live, voilà. Mais c'est oui, bah oui. C'est vrai que vu le propos du jeu et la manière aussi dont c'est montré et tout, bah ouais, normal. Ça veut dire que t'as été à fond. Mais effectivement, effectivement, faut être peut-être dans un bon état d'esprit pour faire ces jeux-là aussi. En la quête. Je pense que c'est un poisson à pêcher. Ah, à donner à quelqu'un. Je suis loin, mais je vais faire. Je pense. Ah, je suis à fond là. Je pêche un poisson. Hey, j'ai trouvé les trucs qui nous manquent pour la maison communale. Bah vas-y. Un poireau et tout ça? Ouais. Ah oui. Poireau et pissenlit. Vas-y, fais des trucs. Et je rigolais durant l'histoire. Rigolais sur les persos. Oui. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est. Et puis sur les... C'est un peu un enchaînement de mini-jeux, finalement, ce jeu-là. Et parfois, ça peut être assez, assez drôle à faire. La suite semaine pro. Ouais, le second, ok. Ok, cool. Bon, ça t'a plu, alors? Si ça t'a ému, c'est que quand même ça t'a plu. Un achigan, tout à fait. C'est un poisson d'eau douce. Je suis même plus sûre. Si, je crois, c'est un poisson d'eau douce, c'est achigan. Achigan. Nous on est sur un petit restart de Stardew Valley, enfin restart, c'est que j'ai déjà joué il y a longtemps et là j'y rejoue. Et mon mate royal lui n'avait jamais joué encore, donc voilà. Petite découverte parce que le jeu a eu plein de nouveautés récemment. Et même depuis la dernière fois que j'ai joué en fait il y a eu plein de nouveautés. Ah mince non c'est pas le bon poireau et moi j'ai un... Oh punaise, je pensais que c'était le bon, bah non. J'ai un oignon, j'ai pas un poireau, bah non il m'en manque en fait. Oh je suis dégoûtée. Je peux déjà mettre du bois. Ah non, faut mettre tout d'un coup. Ouais, ça va, hein. Bon, j'avoue, je comptais mettre les pierres deux par deux. Peut-être qu'ils voulaient pas la petite monnaie, mais bon. Mais bon, déjà, c'est sympa que j'apporte tout ça. Pierre pêche trompette. Oui, j'aime bien dans ces jeux-là être bleu quand on peut avoir la peau bleue. Voilà. Souvent aussi, je mets une moustache. Mais là, apparemment, ça rendait mon personnage moins mignon. Mais sinon, arrête de faire ça, Burk. Tu veux que je te goume, toi? Qu'est-ce que tu juges là? Non mais Alex. Juste parce que je fouille dans les poubelles. Ah ce Alex. Fouilleur qui est en train de fouiller dans les... Mais oui bah évidemment que je fouille dans les poubelles. Je suis dans un jeu vidéo. Dans les poubelles, enfin pas les poubelles, c'est plutôt les encombrants. J'ai trouvé un aquarium quand j'étais plus jeune. J'avais des poissons et je trouvais que l'aquarium était trop petit. Et ben en rentrant du collège, je tombe sur un aquarium deux fois plus grand que celui que j'avais au bord de la route, dans les encombrants. Du coup je préviens ma mère, on l'a pris, il était nickel. Donc, ne jamais sous-estimer le pouvoir des poubelles. Des aquariums. Non mais surtout, je me suis dit, un aquarium à la poubelle, jamais il est encore étanche s'ils l'ont foutu à la poubelle. Mais si, ils en avaient rien à carrer, c'est fou. Cette bande des fous. Ah, la chigan, attends, faut que je fasse la chigan. Non mais non, je vais pas vendre la pierre. Mais la chigan. Est-ce que je peux voir ma collection de trucs trouvés? Oh non,
nos poules, elles sont pas contentes. Mais si, on les a caressées aujourd'hui. Tu les as caressées, je crois. S'il y a une petite main, c'est qu'elles ont été caressées. Ah, j'ai vu une petite main, alors. Est-ce qu'on a un... Je sais pas, un Pokédex ? Des poissons que j'ai pêchés ? Collection, c'est ça. Sardine, Ashigang. Ça me dit pas où je l'ai chopé ? Mais c'est pas sympa ? Bah, ça doit être dans la rivière du village, de toute façon. Bah, j'y vais, et puis voilà. Je trouve une fête dépensière. Et c'est moi qui ai ramené plus de thunes. Avec la pêche. Moi, je pêche, moi. Je suis en harmonie avec les poissons. C'est pour ça qu'on joue à Subnautica, qu'on a joué à Depth the Diver. C'est bon truc dans les jeux, ça. D'ailleurs, il y a un jeu de pêche qui est gratuit sur l'Epic Game Store cette semaine. Pour ceux qui aiment bien les jeux de pêche. Bon. Tu l'avais pas déjà testé, d'ailleurs, celui-là ? Non, mais j'ai déjà hésité parce qu'il était sur Game Pass, donc j'ai eu plusieurs occasions de le tester. Et il est pas... Il plaît pas beaucoup. C'est pas du tout celui qui a les meilleurs avis. Mais bon, ça me coûte rien de le... Maintenant que je l'ai en plus dans ma bibliothèque, je pourrais vraiment le tester un soir. Parce que nous sommes des aventuriers du gaming, finalement. Finalement. J'ai raté mon poisson ! Non, mais de toute façon, c'est un que je le pêche, je vais pas pouvoir le vendre parce que les autres, ils sont tous en train de se burger à la taverne, puis après, ils vont rentrer. Et du coup, après, quand je voudrais aller chez eux pour leur livrer leur poisson, et ben, ça va pas marcher. Et tu connais un peu Stardew, Yuréliette ? J'espère que je dis bien ton pseudo, hein. Si on prononce pas le S ou d'autres lettres, tu me dis, on s'arrange. Je pêche n'importe comment ! Une dorade ! Dans la rivière ? Tu prononces bien, sinon j'aurais déjà crié. Ok, ça marche. Mais t'as raison. Allez, 21h. Non, mais une algue. Du coup, ça me prend de la place. Je pourrais peut-être l'échanger avec mes cailloux, au pire, si je chope un truc. J'ai joué à son plagiat Fire Farm. Ouais, bah après, ces jeux comme ça, de toute façon, ils sont tous sur une base proche. Alors, bien sûr, Stardew est là depuis longtemps, donc forcément, on compare beaucoup à Stardew. Mais avant, par exemple, il y avait Harvest Moon qui avait pas mal de petits trucs qui ressemblaient. Et on peut aussi parler de Animal Crossing, trucs comme ça. Enfin, voilà, même si moins quand même. Animal Crossing, c'est beaucoup de la déco quand même. Et Fire Farm, eh ben j'ai testé aussi, c'était sympa. Mais effectivement, vu que j'avais joué à Stardew, je trouvais qu'il y avait trop peu de différence entre les deux. Je me disais, bah c'est vrai que oui, c'est sympa. Sauf que pour le moment, je voyais trop peu de différence. Après, il est plus mignon, Fire Farm. Enfin, non, le côté pixel art, ça a son charme et tout ça, et c'est très joli. Mais c'est vrai que moi, je suis pas super fan de ce type de DA. C'est pas mes préférés, même si je m'y suis habituée avec pas mal de jeux. Mais à la base, c'est vraiment un truc qui me rebutait même avant. Maintenant, ça va, mais je vais préférer des trucs un peu plus... des graphismes un petit peu plus... Je sais pas. Je vais souvent aimer un peu les trucs cartoonesques. Enfin, ce genre de DA. Même si ça plaît pas à tout le monde. Bonsoir, Ragnar. Sur le meilleur jeu. Oui. On redécouvre. Enfin, je redécouvre. Et on a pris, nous, la nouvelle ferme. Enfin, la nouvelle ferme. Le nouveau terrain qui apparemment a été est arrivé avec la mise à jour là qu'il y a eu cette semaine. Animal Crossing, c'est un peu plus les impôts. Ah, ça va, Animal Crossing. On n'a pas de deadline et tout. Moi, je suis pas d'accord. Prends une. Faut enfin, que je vais vendre mes poissons. La télé. Parce que j'ai plus de place. La télé surtout. C'est la télé. Ah oui, c'est vrai. On est censé. Attends. Oh, les ailes, on peut les bouffer. Peut-être la garder. Ça, je vends et je vais poser mes trucs. Bon, j'ai vendu 3 cailloux, j'aurais pas dû, mais... faut que je parle à la télé. Bulletin météo. Vous regardez Kozu 5. Une émission météorologique d'information et de divertissement. Et maintenant, les prévisions météorologiques pour demain. Le temps sera clair et ensoleillé toute la journée. Super.
diseuse de bonnes aventures. De bonnes aventures. Vous regardez l'oracle Wellwick. Si vous voulez en connaître plus sur votre avenir, vous êtes au bon endroit. Les esprits sont un peu perturbés aujourd'hui, la chance ne sera pas de votre côté. Ouais bah c'est bon, j'ai pas besoin de regarder la télé pour savoir ça. Reine des sauces, rediffusion. Bonjour, c'est moi la reine des sauces. Je suis ici pour vous apprendre une nouvelle recette de mon livre de cuisine secret qui vous mettra l'eau à la bouche. Le plat de cette semaine est... sauté de légumes. C'est le moyen idéal pour avoir des légumes sains dans votre assiette. Faites revenir les légumes dans un peu d'huile de sésame et ajoutez beaucoup d'ingembre frais et d'ail. Sentez-moi ça, ça sent tellement bon. Compétence culinaire sautée apprise. Compétence culinaire sautée. Culinaire sautée. Je suis culinaire sautée, moi. Très bien. Donc du coup, j'ai l'anime avec le chien, mais tu peux pas l'avoir parce que j'héberge. Il y a un nom au chien, tu veux lui donner un petit nom? On va l'appeler... On avait trouvé un nom de chien et un nom de chien parfait. Je me souviens. Pipou. C'est vrai. Pipou. Moi, j'ai appelé Pipout. Comment ça s'appelle? Ma petite P2EPO, perruche. Hein. On est d'accord. Hein? Ah non, moi c'est avec un I. Mais tu l'écris comme tu veux. Moi, j'ai appelé Pipout la petite... ma petite perruche que j'ai dans Sea of Thieves. Ça s'appelle Pipout. D'accord. Voilà. Mais je l'appelle Pipou avec deux O, alors. Oui, appelle comme ouais. À l'américaine, you know. Non, parce que Pipou, ça veut dire juste pipi caca, mais... Je sais. On va l'appeler à la française, mais avec la fin américaine, ça va? Tu fais comme tu veux. Allez, c'est fait. Hop, ça je déplace et je mets là. Je sais pas si tu vas le voir, je pense que... Oui, je suis censé le voir, mais je sais pas... Il est où, là? J'en ai strictement aucune idée. Il est dans la maison peut-être. Oh. Oui, il est là. Le tibergé allemand. Oh. Il faut le caresser. Le dogo à grosse tête. Comme ça, Foulcan, viens ici. Oui, je connais Vino. T'as dit Vino. Vince, du coup. Plutôt que Vince. Je vais y arriver. Mais bon, moi j'associe ça à un prénom donné par les vieux aux chiens, Foulcan. Vraiment, pour moi, c'est... Ouais, c'est... Pour moi, c'est le vieux dans son fauteuil. Foulcan, viens là. C'est vraiment une image très curse de... En dehors du côté jeu de mots. De ce nom de chien. Bah, super. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Farnalou? T'as appelé ton chien Foulcan, c'est ça? Est-ce que tu peux me dire combien coûte le silo? Non. Auprès de la... Non, non. C'est qui? C'est la charpentière, yeux. Celle qui est au-dessus à gauche. Au-dessus à gauche? Hein? Je vais essayer d'aller voir alors. Je vais payer ici mon achigan. Eh vas-y, pêche ton truc. Je vais essayer d'aller. Je crois que j'ai pas cette pierre. Je sais juste pas où c'est. Du coup, je vais devoir faire les magasins, les différents magasins. Non, mais c'est ici peut-être. Tout... Non, c'est en haut. C'est en haut. En haut. Je crois que c'est à côté de la maison, je sais pas quoi là. Bon, j'y vais. Ah oui, il nous manque une plante, il nous manque le poireau. Donc regarde bien autour de toi si t'en vois un passer quand tu te déplaces. Non, tu l'appelles pas. Mais non, mais en plus quand je dis vieux, c'est je parle vraiment de personnes, de seniors, de personnes vraiment âgées. Boutique. Ah mais construire des bâtiments de ferme. Poulailler, grange, puits, silo. Silo c'est 100 PO donc on peut, il faut 100 pierres, 10 argiles, 5 lingots de cuivre. Mais c'est que 100 PO. Par contre. Ouais, c'est voilà. 10 argiles que j'ai pas, d'accord. Oui, 10 argiles, bah c'est ce que ce serait pas à la plage. Je sais pas. J'en sais rien. J'en ai eu dans la terre, en binant un peu la terre, j'en ai eu. Tu binas? Ouais, c'est un verbe. Tiens, j'ai un chien, je vais l'appeler Balto. Oh oui, j'aime bien Balto. Balto, c'est sympa. Oui, une bonne rêve. C'est l'anniversaire du chien. Ma chienne s'appelait Isis. Ah oui. C'est bien. Bah, c'est très joli. De Vincent, le petit chien, là, c'est son anniversaire. Si tu lui donnes un poisson, je crois qu'il sera super. Mais oui, c'est ce que je veux. Poisson lune. Oh. C'est ce que je veux, mais je sais pas dans quel coin. Ça peut l'être. Il est Vincent, mais faut le choper la journée hein, parce que c'est un chiard, il sera pas au bar la nuit. Bah oui, mais c'est pour ça. Il faut qu'en fait, je dois pêcher pour ça. Je peux pas te donner un poisson que je n'ai pas. Royal Deluxe.
Et tu lui donnes un œuf. Bah vas-y, donne-lui ton œuf là. Il va voir un adulte lui donner un œuf. Il va te l'envoyer à la gueule. Ce sera mérité. Le mien s'appelait Osis. Osis ? Ok. C'est mignon. J'aime bien ces noms. Vous avez des jolis noms. Je pensais que t'allais faire presque la vanne, Aurélias. C'est un mec qui rentre dans un bar. Voilà, c'est fin de la blague. C'était pas le moins. Il y avait un peu de ça. Mais j'ai compris. Je peux oublier le chien. Mais je ne sais même pas lequel c'est. Vincent. Son ami. Une Game Boy à lui donner. À base d'œufs. Oh, la chance! Dorade. Ah, est-ce que... Bah, j'en ai pas dorade. J'ai besoin d'une dorade. Et ils donnent des tickets. Les journées sont trop courtes. Il est déjà 15h30, dit Pep. Alex, c'est mon petit-fils. Bah, je m'en fous. J'ai besoin d'une dorade pour un projet. Nanana, ça... Ouais, j'essaye de le choper. Ah oui, d'accord, ok. Alors, je l'ai pêché ici hier. Poisson lune encore, ok. Ça a l'air bien le poisson lune, mais par contre, bah, du coup, c'est pas une dorade. Quand j'étais petite, on a eu un labrador qui s'appelait Belle et un berger belge qui s'appelait Sam. Oh, c'est mignon, c'est bien. Belle et Sam. Ouais. J'arrive pas à trouver le chien. Moi, ouais, par contre, ce que je peux plus comme nom, parce que quand j'ai bossé en animalerie, je les ai beaucoup entendus, c'est les noms type Hades ou Loki. Ça, je vous garantis, c'est vraiment des prénoms donnés à des chiens mâles ultra communs. Pixel. Pixel, c'est bien, c'est bien Pixel. J'aime bien. Et les chats noirs. Et les chats noirs, j'avoue. Et les chats noirs, évidemment. Et ça, vraiment quoi, zéro originalité au bout d'un moment. Mon chat s'appelait Idéfix quand j'étais petite. Ton chat. Pourquoi pas. Je connaissais un chien qui s'appelait Idéfix. Bah oui. Il était énorme. Ah, c'est assez marrant de donner le nom d'un tout petit chien à un truc balèze. Un achigan. Là j'ai eu un achigan. Chihuahua s'appelle Rufus. T'as besoin d'animalerie moi aussi. Ah ouais. Trop marrant. C'est pas si commun comme moi sans job étudiant. C'était très intéressant comme expérience, mais je voudrais plus rebosser en animalerie. Bon bah du coup la quête d'hier elle a été virée alors, c'est chiant. Ah bon, je viens d'avoir. Sais pas. Bah je sais pas comment y accéder en tout cas. Nouvelles années aussi. Mais ouais, bon. Chat noir qui s'appelle Salem, bah c'est assez logique pour le coup là, c'est une rêve très logique. Enfin ça se comprend quoi. Dur de travailler en animalerie par rapport à la misère animale. Un peu, ouais, c'est pas vraiment dans mes convictions pour être honnête. Après, là, c'était une petite animalerie de quartier où on pouvait faire très attention à qui on confiait les animaux, etc. Mais basiquement, c'est pas un type de... Enfin, les animaleries qui vendent surtout de la bouffe et des trucs comme ça, voilà. Mais c'est pas vraiment un type de truc que j'ai envie d'encourager. Et effectivement, c'est... On voit des trucs pas dingues, que ce soit les clients ou les fournisseurs. Franchement... C'est un animal, c'est pas une marchandise. Et ça le sera jamais à mes yeux. Et du coup, bah, quand tu bosses en animalerie... Mais encore une fois, j'étais quand même dans une animalerie où vraiment, c'était petit. On avait peu d'animaux. Et je pouvais vraiment faire très attention à qui on confiait les animaux. Et quand on confiait des animaux, on expliquait vraiment d'abord tous les inconvénients d'être avec un animal. On s'assurait que la personne comprenne. Si elle avait une cage, on voulait voir une photo de la cage pour être sûr que c'était adapté, etc. On était vraiment... Mais malgré tout,
C'est pas un, voilà, c'est pas un type de commerce qui me plaît du tout. En tout cas, ça restait très enrichissant. J'avais le luxe de refuser. J'avais le luxe ventes, de refuser des gens, et effectivement. De, ouais. Des ventes d'animaux, si ça te plaisait pas. Quand on sentait profil. Pas la personne, quand on avait l'impression que juste la personne disait oui à tout pour nous faire plaisir parce qu'elle voulait absolument son lapin, on était en mode. Des fois on disait honnêtement, des fois on disait juste l'animal est déjà réservé, parce que c'est vrai que c'était possible. Comme ça, la personne préparait la cage, etc., faisait tout, et après amenait l'animal, et voilà. Donc ça, on le faisait, mais. Mais c'est vrai que ça nous est arrivé plusieurs fois de mentir, franchement, parce qu'on voyait très bien soit que la personne ne savait pas du tout dans quoi elle s'embarquait, soit même, et ça arrivait aussi, que la personne parlait pas la langue, et même en anglais, on avait que des « un-un-un-un », et du coup, t'es là. J'essaye, mais je vois bien qu'il y a rien de l'autre côté, quoi. Bon, ça, c'est pas arrivé beaucoup, en vrai, en général, c'était plus quand on sentait pas la personne. J'ai un chat noir, il s'appelle Naru. C'est trop mignon, ça. Bon, bah, j'ai enfin la dorade, mais il est 22h, donc j'imagine que le gosse dort, donc... Verra si demain. Je crois qu'il voulait la dorade. C'était... Bah, je sais plus qui c'est. Bah, moi non plus. Attends, je vais regarder vite fait, mais bon, c'est un peu trop tard. Mon dogo qui m'empêche de rentrer chez moi. C'était Sam. Je verrai s'il y a la 4 demain, mais je pense pas. Oh, puis je l'ai vu se balader, en plus... dans la ville. Oh, chier. Ouais, bah on a essayé quoi. J'ai vendu un peu de trucs en espérant que ça fasse un peu de pinance. Ouais, j'ai encore une compétence de pêche. Je peux faire un appât. Bien joué. Faire du bénévolat à la SPA. Ouais, ou dans les refuges. Après, dans les refuges, en général, ils sont très en galère. Mais effectivement, ouais, ça peut être dur. Ça peut être assez dur. Essaye de voir si tu peux pas speedrun ta quête. Ouais, moi aussi, Féline, je préférerais qu'on ait plus de place pour avoir des animaux, et c'est ce qu'on veut tous les deux, et du coup, bah, pour le moment, on n'a pas d'animaux. Quand on aura de quoi l'accueillir. Ouais, j'y vais vite, mais je pense que c'est dead, mais j'y vais. Mais bon, si vous projetez un animal, enfin, après, voilà, je comprends hein, qu'on ait toujours des préférences, etc., mais si vous projetez d'avoir un animal, projetez pas spécialement sur une espèce ou un truc, parce que c'est mieux de privilégier les refuges. Et forcément, dans un refuge, on choisit quand même par rapport aux animaux qu'on voit. Mais on n'aura pas l'espèce qu'on veut, l'animal qu'on veut, l'âge qu'on veut. Mais ça fonctionne au coup de cœur, donc en général, ça match quand même. Et ben non, ma dorade, ils la veulent pas, fait chier. Enfin, fait chier, bah du coup, je peux plus l'avoir. Ah, si, peut-être là, si je vais là. Non, hein, les quêtes, il y en a qu'une par jour, quoi. Cherche une pomme de terre fraîche de la ferme. Un agriculteur local pourrait-il le livrer mon achat? C'est à Lewis, c'est le maire. Pff, on n'a pas de patates. Oh, c'est chiant, du coup, je mets poisson pour rien. Je crois que j'ai trouvé des lunettes, j'ai pêché des lunettes, mais je crois que je peux les foutre dans un recycleur. Enfin, on pourra les foutre dans un recycleur plutôt. Bientôt. Ouais. Pomme de terre, 240 gold. Ils c'est m'ont vrai donné c'est une quête, faut retrouver l'âge de je sais pas qui. Ah, ça se trouve, j'avais une quête aussi. Bah, c'est chez moi, il n'y a qu'un chat et une menthe. Oui, c'est vrai, t'as une menthe religieuse. Il écrit Twitch Prime sur le. C'est toi qui as fait ça. Non. Mage préféré. Robinin. Ok, Robinin. Regardez la dorade au cas où. Et il faut aller voir les poules ou tu y es déjà allé? Ouais, je les ai tout fait là. Ils sont sortis. Okidoki. On peut éventuellement. Ah, ce serait bien quand même de fouiller pour trouver le dernier truc qui nous manque. Il nous manque juste un poireau. Pour au moins faire un espace. Ou alors choper une pomme de terre, mais je sais pas où on peut en acheter, peut-être au supermarché. Pour faire la quête. La dorade Kazoo, c'est quoi? Ah, c'est une composition de ma part. Composition personnelle. Faudrait retrouver la hache de. Oui, de oui, Denis. Bah ça, on va la trouver, mais je sais pas quand, je sais pas comment. Oui, je voulais aller au supermarché. Je suis très dissipée. Non, non. Toi? Non. Non, non. Jamais. C'est faux. Totalement faux.
une pomme de terre de la ferme. Est-ce que on peut l'acheter du coup à la ferme qui est en bas? Je sais pas. Sans doute, je ne sais pas. J'y vais vite fait. Je pense que sinon c'est pour nous, mais on n'a pas de graines de pommes de terre. On n'a pas planté de pommes de terre, on est d'accord? Non, non. Ah, j'ai trouvé un petit poireau aussi. Oh bah c'est ça je crois. Ah oh, bah voilà, bah si tu peux l'amener ce serait cool. Je le mets au centre ouais. Truc là. Bah ouais, faire ça. Je suis descendu là pourquoi moi déjà? Ah ouais, je suis allé au mauvais endroit, c'est pas là que je voulais aller. Alors non, Stardew, j'y avais déjà sipé. J'y avais déjà joué, mais il y a longtemps. Ça fait... je saurais pas dire combien de temps, mais ça fait plusieurs années. Et du coup, il y a eu pas mal de changements depuis, dont la nouvelle ferme où on est maintenant. Et même des petits changements... Ouais, cool. J'ai eu la petite notif. Ah bah, j'ai les graines de printemps, donc. Ok, bah c'est cool, ça tombe bien. Je crois qu'on avait plus trop de trucs. Oh, j'ai une cinématique. Ouais, ouais, pareil. Ah oui, toi, t'as les cinématiques. Ah, mais c'est pas la même, moi. Merde, ça sent si mauvais. Bah, je crois que après c'est à toi de jouer. Pourquoi c'est verrouillé? Je veux explorer les égouts. Bon, pas terrible pour une voix d'enfant. J'aurais dû faire plus aigu. Je crois que Gunther a la clé. Le professeur Gunther, l'homme qui dirige le musée, pourquoi crois-tu qu'il a la clé? J'ai vu tomber une grande clé rouillée de sa poche un jour. Une vieille porte d'égout effrayante comme celle-ci ne peut aller qu'avec une grosse clé rouillée. Alors ça glandouille les gosses! Qu'est-ce que ça fout là? Ça vandalise! Bande de rebelles! Oh là là, il y a le bundle de l'aquarium. Qu'est-ce que tu disais? Non mais t'as planté des trucs là au-dessus? J'ai rien planté moi. Bah, et t'as vu, il y a plein de poireaux là. Ouais, mais je pense que ça a été déjà. En fait, je suis allée là sans le vouloir. Enfin, j'y suis pas vraiment allée. Je me suis juste. Ah, ouais. Je suis arrivée dans une zone et ça m'a foutu là. Bah, du coup, je sais même pas où est cette putain d'égout. Ça dégoûte. Bah, les égouts, ils sont. Ils pas loin de la plaque d'égout. Elle est à côté de la maison de l'autre là, non? Peut-être. Mais je sais pas. Ce serait logique. On peut avoir une niche pour chien. C'est 10 000 pas. On n'a pas ce qu'il faut. Hein. Ça dégoûte. Gamin avec une belle voix virile, c'est bizarre. Ça, je le fais de temps à autre. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Peut-être en bas. Puis-je peut-être avoir une patate? Bah non, parce que c'est fermé. Putain. Bon, de toute façon, j'ai des missions là. Alors, je vais regarder ce que c'est. La hache de Robin. Retrouver la hache de Robin. Forger. On n'aura jamais ce silo. Il y a le bundle des poissons. Qui ont été. Ah, qui a été déverrouillé? Ouais. Ah. Avec taille en haut, peut-être que tu auras la cinématique. Ou même si tu l'as pas, tout est éclairé. Ouais. Bah, je vais pêcher d'ailleurs, du coup. Avant d'y aller. J'ai soif. Des déchets! J'ai attrapé des déchets! Bien wesh! Mince, regardez le chat! Chandon, il y a une ref à la. Que seule la génération Dorothée aura. Par rapport à Salem? Moi, ça me fait penser à Sabrina. Ça te fait pas penser à Sabrina? Non, ça fait pas penser à cette voix, non. Ah c'est le nom Sabrina qui me fait penser à cette voix. Sabine. Sabine? Oh putain.
Nadine. Ah putain, mon poisson. Ah, Périne, Nadine, Sabine. Sabine. Géraldine. Sabine. Ok, bon là j'ai eu plusieurs poissons, c'est super. On va pouvoir voir si je peux en déposer un là-haut. Par contre, c'est pas des poissons de... Bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup de place. Faudra voir aussi si on peut se crafter d'une quelconque manière un petit sac à dalles. Ce serait fort pratique. Je pense. Ça pas mal. J'ai pas regardé la quête du jour. Mais tant pis. De toute façon, je préfère déposer au centre communal. C'est plus mieux. Oh, les petits trucs. Ah, poisson de la rivière. Oh, des tours de la rivière. Ça va pas marcher parce qu'il y a une soie dedans, c'est bon. Arrête, laisse-moi être créative. Tricité. Oh, des tours de la rivière. J'ai mis une palourde, maintenant je vais mettre une torade. Un achigan. Y'a quelqu'un qui veut mon achigan? Oh, il est trop marrant ce poisson, regardez la tronche du poisson. Paquet de poissons de la mer. Il veut pas d'achigan. Je veux pas d'achigan. Ok. Bon, bah, j'ai pu en déposer deux. C'est toi qui es pas lourde. Quoi, quand je me mets à chanter, je deviens un peu lourde, hein, quand même. Oh, t'es tour de non, la rivière. Non, bah non, non. C'est le black bass, l'achigan à grande bouche. Ok. Je vois mieux ce que c'est. Je pêche un peu. Toi, t'es encore dans la teugro. Il me faut un peu trop de cuivre. Mais je viendrai demain, je viendrai avec toi. Comme ça, t'auras là, deux inventaires. Si on trouve des matériaux un peu rares. C'est très... De toute façon, je pense qu'il faut que je fasse ma quête. Il y a des trucs. Merde, bon tant pis, je verrai après. Mais j'ai que des algues. Dans Sailor Moon, il y a un chat noir qui s'appelle Luna. Ou Runa. Une erreur de la VF qui a traduit en Naru. Ah, Naru, mais oui, toi c'était Naru le chat noir. Ok. Et ben, en tout cas, je trouve ça très joli. J'essaie d'avoir le coffre, mais ça va être un peu chaud. Ça va, le jeu il est gentil avec moi. Des appâts et des appâts. Mais est-ce que je peux les... Comment je les utilise les appâts? Je mets sur ma canne comme ça? Je dois d'abord être attaché à une canne à pêche. Comment je fais? J'ai aucune idée de comment faire. Clic droit. Ok, je vais tester. Je vais virer ça. J'ai eu des géodes. Le forgeron, il peut ouvrir. Ouais, j'en ai une sur moi. Je vais dans la grotte. Ah, j'en ai pêché 3. Oh, putain, bien joué. J'aimerais bien comprendre comment ça s'est accroché à ma canne à pêche. Ouais. Tu te poses pas de questions, là, non? Quand je fais clic droit, ça fait rien.
Ah, ok. Il faut attendre un certain level. Ok, d'accord, merci. Le jeu, il ne dit pas. Il se fait tard. Oh, faut rentrer. Salut, Moglobine, pardon. Ça va, vous? C'est toi, ça va? Les géotes, c'est Nozman qui les ouvre. Let's go, on va voir Nozman. Bah, Dogo. On dort avec le Dogo. Bah ouais. Alors, compétence de hache. De houe et d'arrosage. Oh, nouvelle recette, arroseur. Machine à mayonnaise. Une recette de fabrication de casse-croûte. Ah, on peut fabriquer des casse-croûtes. Ce serait peut-être bien la prochaine fois qu'on va dans la grotte. Et j'en ai... Je l'ai cette recette. J'ai vendu pas mal de trucs de l'agriculture. Ouais, j'ai vu ça. De la thune. Moi, j'ai vendu un petit peu des poissons. Mais parce que là, je les ai encore sur moi. Je les ai pas vendus là. T'as oublié de les vendre? Ouais. Oui, j'en ai encore sur moi là. Je vais les vendre maintenant. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Non, je veux pas pêcher le coffre. C'est la fête des œufs. Ne soyez pas en retard. Oh. Ah merde! Ah bah, faut qu'on le fasse. Vas-y. Non, en vrai, je crois qu'il faut qu'on fasse les deux ensemble. J'ai de nouveaux articles en stock, la canne à pêche de luxe et de beaux appâts. Tu peux utiliser un appât sur ta canne à pêche pour que les poissons mordent plus rapidement à bientôt. Mais il me dit que je peux, mais c'est pas vrai. J'ai encore du courrier. Demain, nous organisons le festival des œufs. Entre 9h et 14h. C'est que la matinée. La canne à pêche royale de luxe, oui. Ah ouais, j'ai déjà connu ça, hémoglobine. J'ai déjà bien connu ça, ouais. Ah, sur les caisses de crabes. Ok. Je sais pas s'il faut une carotte dans le bundle, mais bon. On va trouver une graine de carotte, je sais pas où. Je sais pas. Après, c'est toujours bien d'en avoir, je pense. Mais j'ai pas fait gaffe. Oui, mon petit chien, je te fais un petit caresse, puis je vais dégager ce qui est autour de chez toi. Putain de mieux. Salut, Master Gub. Zalouta. C'est ça, Aurélias. C'est le nouveau filet aux fiches. Oh, mais attendez, ça fait des petits piou piou piou. C'est-à-dire que j'aurai un poisson rat? Oh, vraiment. Faut que j'aille où? Au centre communautaire, c'était ça? Allez où? Pour la chasse aux œufs. C'est demain. C'est demain. Ok. Ouais, c'est peut-être demain. On va dire que c'est demain. Non, mais c'est. Ah mince, j'ai pas déposé toutes mes géodes, j'en ai deux encore sur moi. C'est nul, hein. Bah, tu les prends et puis tu peux les voir. Bah, oui, mais je crois que c'est payant par contre de les ouvrir. On va voir ça. Parce que c'est voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sûrement. Enfin, en tout cas, ça doit être bien. Ça doit être un peu bien. Ah bah, j'ai un cristal de terre. Comment ça va, Master Gub? Un cristal de terre? Ouais, j'en ai récolté un déjà. Faut un cristal de terre. Ok, c'est ici. Quoi? Ah, la machine maillot. On va transformer les géodes. 25 PO par géode, ça va. J'ai trouvé un cristal de terre et une argilite. Ah ouais? Oui. On va faire une machine à maillot, mec.
Machine à quoi? Mayonnaise. On s'en fout de ça. Je vais les transformer, ça fera de la mayo. Bah, je pense que ça vaut plus cher que tout. Oui. Non, mais ce qu'il nous faut, c'est surtout un stylo. Il faut de l'argile. Ouais, bah, j'étais en train d'en faire et j'en ai récolté. Et il faut pas que de l'argile aussi. Il faut aussi d'autres trucs. Il faut genre des. Bref. J'ai 4 d'argile. Il faut aller dans la grotte. Ok. Bah, on peut, hein. On peut. Vive bah, la mayo! Ah, bah merci, oui, toi! Ça va. Par contre, j'ai jamais de place sur moi en fait. Viens, on va dans la grotte. Il est midi. Attends, faut que je vide mes poches. Voilà, j'ai. Bah, vide tes poches. Bisous, Vince! Bonne soirée! Et bisous! Bonne nuit, tout ça! Hop! Voilà. J'espère que les choses se passent bien à la ferme Moula. La ferme Moula! Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là! Merci pour le follow, c'est gentil! Merci beaucoup! Bizarre, et bonne nuit à toi! Il y a la librairie qui est ouverte aujourd'hui. Ah! Bon, on va pas à la grotte alors. Si, si, mais ils disent que c'est à côté du supermarché, c'est possible. Je sais pas. Est-ce que c'est par là? Puis en dessous. Et la librairie. Trois body problems ce soir, je recommande. C'est quoi body problems? C'est une série? Je crois que j'ai pas vu. On dit rien. Objet, c'est trop bien. Ah ouais? C'est à Netflix, d'accord. Nous, on est sur Gentleman en ce moment. Ou The Gentleman, je sais plus. The Gentleman. Une vraie dinguerie. Ok. Ça parle de quoi? Bah, c'est sur un livre de SF chinois. Ah, du coup, c'est de la SF. Ok. Punaise, avec un nom comme ça, j'étais en mode, oh, ça va être un polar, un truc d'enquête. Bon, ça peut aussi, mais dans un univers SF. Non, mais il est trop tard, là, pour aller... Bon, on peut toujours un peu aller à la grotte, remarque. Ils ont dit qu'on avait une luck plus à la grotte. Oh, mais il y a un truc, là. Catalogue de prix. Pour voir la valeur des objets, ça coûte 3000, c'est rigolo ça. Salut Gaël, comment vas-tu? Bonsoir monsieur dame, c'est toi bonsoir. J'essaie de regarder un peu ma cam. Toi monsieur dame. Bon, je descends. Par contre, j'avais mis une petite musique là. Mais bon, on peut pas faire start, alors je vais pas prendre du temps à mettre ma musique maintenant. C'est quoi qu'il faut absolument dans la grotte? De tout, argile, minerai. Donc s'il y a des morceaux de terre. Ah, il y a de l'argile aussi dans la grotte? Bah ouais, j'en ai trouvé dans les morceaux de terre, tu sais, tu bines la terre. Non. Pardon. Non, pas Sabine, ni Perrine, ni Corinne. Non, pardon, non. C'est réflexe, c'est tout. Oui. Bah oui. Cette voix ne doit pas être un réflexe. Hein, c'est depuis lundi. Les gens ont dit non. C'est Barbara. Au niveau 15, au pire. Il y a ce qu'il faut au niveau 15. Comment ça, niveau 15? T'es dans ça. Mais ouais, moi, je suis jamais allé au niveau 15. Ah bon, il te propose pas le niveau 15 du coup, parce que t'es jamais allé? Bah je sais pas, j'ai essayé d'aller dans l'ascenseur, j'ai pas réussi. Je lui dis bon. C'est droit. De toute façon, faut que tu des slimes moi. J'ai toujours pas fait cette quête. Ah ouais? Ouais. Il est 18h!
font chier les slimes. Pourquoi il leur faut 275 coups pour mourir? Des nouvelles idées. Alors que les petits insectes là, il leur faut un coup. Oh, j'ai fait exprès d'éviter, en fait j'évite pas. Oh, qu'est-ce que c'est galère. Et du coup, j'ai rien pris sur moi pour la régène. Si tu utilises l'ascenseur, je peux t'en donner un chouïa. J'arrête pas de récolter des petites carottes là, des comme ça. Mais de toute façon, il est 19h donc ouais, va falloir barre d'énergie. Et... comme d'hab. Choper un argile, c'est cool. C'est Didi Puel, comment vas-tu? T'es en l'air qu'en faisant autre chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis à combien de slime là? J'en ai. Franchement, je dois être à 1000. J'ai l'impression que tu juges mon estimation. Non. Il faut que j'aille au niveau 5 parce que je pourrais pas remonter avec l'ascenseur si je suis pas au niveau 5. Ah, une bête! Bon, moi j'ai plus d'énergie de toute façon. Ah, les haricots. Oh, vas-y, je me casse. Hein. Oh, vas-y là! Mais moi il faudrait que je descende au niveau suivant pour prendre l'ascenseur et remonter facilement. Ouais, ouais. Mais du coup, ah, je du coup le niveau de la mine est séparé. Genre, on se voit, mais. Je sais pas. Parce que ça se trouve, t'as déjà accès au niveau 15. Je sais pas. Là, je peux pas vérifier là d'où je suis. De toute façon, j'aurais pas le temps de vérifier. Il m'a pas proposé, donc je vais pas chercher plus loin. Punaise, mais je vais jamais pouvoir passer à la suite. Si. Je sais pas, il me propose pas la suite. Tout ce qu'il faut comme coup. Peut-être qu'elle est pas encore assez améliorée. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus d'énergie. Je vais même pas pouvoir tuer un slime là. Bon, je m'en vais. Je déconne, c'est bon, je m'en vais. M'a saoulé. Ah oui, si, je peux accéder au niveau 15, ok. C'est juste que tout à l'heure j'avais eu une petite latence, je pense, au moment. Là, j'ai dû appuyer plusieurs fois pour que ça m'affiche. Je m'en vais! Vite! J'ai compté, il faut 15 coups. 15 coups pour les slimes! Mais c'est beaucoup trop immense! C'est des petites boules de pu! Comment ça saoule! C'est juste être minimi au fait. Je crafte des balles et des boules pour demain. Oui, demain c'est pas le world avec Gaël. Et normalement, ce coup-ci, on finit. Oh, y a pas le dogo qui est sur le lit. Quoi ? Steak d'insectes, anneau solide. Bon. Voilà. T'as eu un steak d'insectes en craft? C'est dégueu. Oui. Ah, les mayonnaises, c'est 190 PO, du coup, le détail. Tes poissons, toi, genre, ton truc à petite bouche, c'est... ça vaut cher. Mon truc à petite bouche. Bon, tu appuies sur suite, s'il te plaît. Je regardais le détail, je connais pas. De toute façon, on va juste tout vendre ce qu'on n'a pas besoin, ça change rien. Les poissons, je peux pas trop prédire. Bon, en tout cas, j'ai des trucs. J'ai mis là. Ouais, un petit surplus de champ aussi, il a dit.
petit chien. Et belle de pipou. Ok. Je vais faire les poules. Vous avez des nouvelles idées? Ah ouais, j'ai une recette. Yes. Oh mais... Mon perso qui prend 10 son DP à chaque fois que j'appuie sur A, ça me stresse là, j'ai eu peur qu'elle fasse du mal au poule. Désolé. Non, je peux arroser si tu veux. On remplit où l'arrosoir? Dans les poules, c'est plus rapide, je pense. Dans les poules? Ouais, sinon, c'est en bas, il y a une petite rivière. Les poules, regardez, elles sont dans le cerf. Elles jouent les roues cool de base. Comment je... Voilà, comme ça. Yeah. Ah, mais du coup, c'est la chasse aux œufs. Ouais. Yeah. Je t'ai laissé un truc pour arroser, si tu veux. Ah non, j'ai posé mon arrosoir, du coup. Je vais le faire. Ça, je fais, j'ai... J'ai oui, je sais pas où mettre mes œufs. Ah oui, toi tu les mets là? Dans le, je les mets dans. Pour l'instant c'est bouffe et végétaux quoi. C'est... Bah non justement. Tu les mets dans l'autre truc où il y a des. Où c'est pas les végétaux ou c'est les. Ou c'est les trucs des insectes et tout. D'accord. Bref. On va à la chasse aux œufs. Eh ben j'arrive. Selon les spectateurs, le pire film Disney, c'est La Ferme se rebelle. Je savais même pas que c'est un Disney. Jamais vu. Tu viens s'il te plaît? Parce que c'est que jusqu'à 14h. Bah, ça va pas... Je sais pas instantané en fait. Faut que je pose tous mes trucs là, parce que j'étais en train de faire autre chose, donc je dois tout déposer. Boum, bim. Allez, mène-toi. Ouais, je peux pas aller plus vite. Let's go. D'accord, on peut parler à tout le monde, mais du coup... On peut acheter des peluches à 2000 balles. Acheter le flamant rouge. Fourche décorative, bannière. Oh, on peut avoir des graines de fraises, hein. Tu veux des graines de fraises? Si on en a, ouais. C'est 100 balles la graine. Ça vaut le coup. En vrai, vaut mieux en prendre quelques-unes quoi. J'en ai pas pris. Bah, c'est 8 jours. Et c'est au printemps, donc. Comme on est printemps. Ça va être un bon jeu. Y'a pas d'autres stands? Yes, y'a pas d'autres stands! D'accord. Et du coup, faire quoi alors? Il y a la fête de je sais pas quoi. Bah, je crois que si on parle à je sais plus qui. Ah, voilà, Homer peut-être. Non. On peut commencer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, vas-y, fais. Non, moi je peux pas. Attends, je suis en train de parler, c'est peut-être pour ça. Vas-y. Je peux pas. Vas-y, fais, on peut commencer. Voilà. C'est toi le host. C'est vrai qu'elle est très cool la musique. Voici le moment que vous attendiez tous aujourd'hui, la chasse aux œufs annuelle du printemps. Calmez-vous les enfants! Vous aurez besoin de toute votre énergie pour pouvoir trouver le plus de possible et remporter le grand prix. Alors? Ah voilà. Tout le monde est prêt? Ça marche... ça marche à Fernalou, excuse-moi. Des gros bisous! Mon dodo. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est hyper, faut qu'on trouve des œufs.
peux vous chercher. Ah là, j'en ai vu un. Je pourrais pas l'avoir. Dégage! Yes, on a trouvé déjà plein. Moi aussi, j'en trouvais plein. Ah, il y a des délimitations, on peut pas les voir. Oui. Non ! Et moi ! Moi aussi j'ai des œufs. Oh non, j'ai perdu ! Tu m'as tout piqué. Comment ça, je t'ai tout. Regardez tous ces œufs. Si seulement je pouvais convaincre les enfants à ramasser déjà de cette manière. D'accord. Ok, le gars qui veut faire travailler les enfants. Voici le gagnant de la chasse aux œufs. Roulement de tambour que j'ai pas. Royal. Voici votre prix. Je le filais si tu veux. La fête aux œufs. Mais c'est quoi le prix? Moi je l'ai pas vu. Chapeau de paille dégueulasse. Oh t'as eu chapeau. Pourquoi j'aurais pas de chapeau? Bah je vais te le filer. Seul dans la nuit et le noir. Tiens, il est 22h quoi. La journée elle est niquée. Elle est niquée à cause des chiards quoi. Tiens viens. Tiens, à cause cadeau. Des œufs. Des œufs, pas des œufs. Regarde, ça donne ça là. Tiens, cadeau, petit chapeau. Là. C'est bon? Attends, moi j'ai ça à mettre. Oui, bah, ah. Fais ce que tu veux. Tiens, laisse-moi. Viens biner avec moi. J'ai mis un chapeau! Nickel, viens biner avec moi qu'on plante les fraises. Je bine. Ah non, j'ai pas remis ma cam. Pardon. On voit rien. C'est pas grave, bine. Je vois rien. Ah, j'ai fait dépasser. il m'en reste que 3, donc ouais, vas-y. Non, c'est bon, on va les arroser, là, vite fait. T'as de quoi arroser? Je vais chercher. Je prends pas sur moi, j'en ai tellement peu de place. Bah, en fait, j'ai trouvé... Il y avait un sac à dos à vendre dans la boutique. Je crois qu'il coûte 2000. Je pense que la prochaine tournée qu'on vend, ah, on oui. s'achète un sac à dos et voilà, quoi. Je ferais peut-être... une grosse tournée Moi je vis dans ma maison. Ah mon dogo. Ok. VOD de 2h48, je vais cut la VOD. Des bisous la VOD. C'est Star du Valais.